si je publie un commentaire, ça va où là? Ça va sur tous les canaux. Je peux dire bonjour tu tout le monde. Publier des commentaires si tu veux. Donc nous sommes en direct. Bienvenue dans cette toute nouvelle émission d'actualité avec une approche assez unique. Comparer l'actualité française avec l'actualité démocratique suisse. Nous allons traiter aujourd'hui de la réforme des retraites et des manifestations, les différences entre la France et la Suisse sur ces sujets. Nous sommes en présence d'Étienne Chouard qui agit pour donner le pouvoir constituant aux Français, notamment avec le mouvement constituant populaire, que vous pouvez rejoindre, de Pierre-Alain Bruchet, économiste et spécialiste du RIC suisse, moi-même Mira qui me charge de la régie, mais également les téléspectateurs en direct, dont les commentaires civilisés seront affichés à l'écran et dont nous traiterons les questions au cours et en fin d'émission. Nous espérons que cette émission donnera envie aux Français de se mobiliser pour instaurer une démocratie enfin digne de ce nom en France, en s'appuyant sur l'expérience de nos voisins suisses. Et c'est notre toute première émission sur ce format, donc n'hésitez pas à signaler vos idées d'amélioration, à partager, voire à faire un don pour nous encourager à continuer. Sur ce, Pierre-Alain, depuis la Suisse, comment vois-tu ce qu'il se passe en France concernant la réforme des retraites ? Alors, d'abord, bonjour à tout le monde. Et deux points de réaction, c'est-à-dire le premier, c'est qu'en Suisse, ça se passerait très différemment. Ceux qui sont contre la réforme des retraites récolteraient des signatures. Il faudrait récolter 50 000 signatures en 100 jours. 50 000 signatures, il faut savoir, c'est à peu près 1% du corps électoral en Suisse. Et puis, si le nombre requis de signatures est récolté dans les temps impartis, eh bien, obligatoirement, le projet de loi serait soumis en votation populaire. Si le peuple accepte, c'est accepté. Si le peuple refuse, c'est refusé. Et donc, c'est un système très différent de ce qu'on voit là en France. Et il me semble que le système, disons, en France... Disons, si c'est un système qui est fait pour faire émerger la volonté générale, il me semble que c'est assez mal conçu et que c'est pas très efficient et pas très démocratique. Ça, c'est, disons, ma première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que je suis étonné, compte tenu que c'est si inefficient et si peu démocratique, je suis étonné qu'il n'y ait pas davantage de volonté parmi les citoyens français pour instaurer un référendum, un droit de référendum, en tout cas par exemple pour les nouvelles lois. Donc, pour qu'un pays soit vraiment une démocratie, pour que le démos ait vraiment le kratos, il faut un référendum d'initiative citoyenne au niveau constitutionnel. Mais disons, cette thématique-là des retraites, elle fait surtout penser à ce qu'en Suisse on appelle le référendum, ce qu'en France vous appelez des fois le RIC suspensif, qui est un RIC veto contre les nouvelles lois. Et j'aurais imaginé qu'il y aurait beaucoup de citoyens français qui se mobilisent pour demander ce RIC veto. Et j'ai l'impression que c'est pas le cas. J'ai vu notamment sur Marianne, comme le journal Marianne avait lancé une pétition pour que, même pas pour l'instauration du RIC veto, mais pour déjà pour que cette réforme des retraites soit soumise au référendum. Et puis, ils avaient un chiffre comme 350 000 signatures, ce qui me semble vraiment très peu. Donc, deux réactions. C'est, d'une part, le sentiment que ce n'est pas très efficient et démocratique. Et la deuxième réaction, c'est cet étonnement de ne pas avoir une réaction plus forte de la part des citoyens français pour essayer d'obtenir un RIC. Peut-être pour expliquer le fait qu'il y ait moins de signatures en France, le fait que les signatures en Suisse sont suivies des faits aide à obtenir des signatures, puisque les gens voient leur intérêt et signent d'autant plus volontiers que ça va servir à quelque chose, alors que quand Marianne fait une pétition pour le RIC, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui savent que ça ne servira à rien, puisque ça n'a pas de force contraignante, puisque ça n'existe pas en France, et que même pour le peu qui existe, c'est-à-dire le droit de pétition sur le site de l'Assemblée nationale, pour que l'Assemblée nationale, si elle veut bien, l'examine. C'est même pas
en face un projet ou une proposition de loi. Mais même ça, ça n'arrive pas à aboutir. Hein. On en parlera peut-être, mais on vient de se faire classer sans suite une pétition, justement, avec des signatures, où on avait, je crois, quelque chose comme 15 000 signatures. C'était beaucoup par rapport au saut de pétition. Et les parlementaires eux-mêmes, donc l'ont classé sans suite. Donc, l'ont empêché de continuer à collecter les signatures comme elle avait encore plusieurs années devant elle pour avoir de plus en plus de signatures. Et là, c'est les parlementaires qui, en le motivant de façon fantasque, on y reviendra sûrement, peut-être pas dans cette soirée, peut-être dans une autre, enfin, on verra, mais les élus eux-mêmes ont désactivé, ont stérilisé, ont assassiné les signatures des citoyens. Donc, si tu veux, sachant ça, les citoyens, c'est une, peut-être un élément de réponse à ton questionnement quand tu dis « je ne comprends pas que les Français ne signent pas plus les pétitions », c'est que chez nous, ça ne sert à rien, quoi. Je crois que c'est effectivement c'est un élément d'explication si ça embraye pas vraiment sur quelque chose, c'est démotivant. Mais d'un autre côté, je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'autres choses de mieux que les Français pourraient faire. Ça sert à rien, mais autres choses ne servent pas à grand-chose non plus. Donc, c'est pour ça que j'aurais imaginé quand même qu'il y a plus de... Oui, moi aussi. Ouais, même si ça ne sert à rien, ça ne coûte pas cher non plus une signature. À mon avis, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant aussi. Il y a une autre chose, c'est que les médias ne relayent pas ces pétitions. Les médias sont eux aussi, comme les parlementaires, ce sont des ennemis du peuple, donc des gens qui sont démophobes, des gens qui détestent le peuple et qui ne l'acceptent que s'il ne peut rien dire, s'il ne peut rien décider, et qui ne vont pas commencer, donc ce n'est pas les médias qui vont commencer à relayer les pétitions qui seraient hostiles à leurs intérêts. Mais donc, dans ce cas particulier, c'est quand même initié par un journal, donc le journal mais c'est Ariane. Oui, mais c'est un journal. Ouais. Mais lui, un au journal. Moins, il a diffusé, quoi. Oui, mais c'est un journal réputé populiste, c'est-à-dire aimant le peuple, ce qui, pour les démophobes que sont les autres journaux, est un péché capital. Donc, s'il n'y a qu'un journal qui en parle, bon, il va y avoir ses abonnés, ça fait quelques centaines de milliers de personnes, mais ça ne fait pas des millions. Si la télé ne le reprend pas, ça ne fait pas des millions. Donc, le fait que les gens ne soient simplement pas au courant, c'est sûrement aussi une partie de l'explication. Et puis, mais... ce sentiment, vraiment, là, il y en a un qui disait « les pétitions, ça ne sert à rien ». Je comprends ça, parce qu'on se dit ça souvent. C'est vrai qu'elles n'ont pas de force contraignante. Donc, on ne peut pas compter dessus pour changer les choses. Mais on ne peut pas dire quand même que ça ne sert à rien, parce que nous, les citoyens, ça nous sert à nous compter. Ça sert à voir combien on est. Ça sert à voir qu'on n'est pas seul, c'est bon pour le moral, quoi, pour nous. Et dans ce contexte-là, même si on sait que ça ne va pas changer les choses, je trouve que ce serait bien, parce que ça ne coûte rien quand même de signer une pétition, c'est quand même pas compliqué, ça ne coûte rien de les signer pour au moins qu'on sente qu'il y a quelque chose qui se passe dans le pays, quoi. Parce que sinon, quand personne les signe, avec des raisons, je comprends, hein, mais... c'est complètement déprimant pour les militants, quoi, hein, pour ceux qui se donnent du mal, les activistes. C'est... Mais à part ça, disons, bon, il y a l'aspect de se compter. Autre aspect, c'est que tu parlais tout à l'heure de la commission des lois, là, ce RIC, cette pétition pour discuter du RIC, là, c'était un RIC constituant. Je trouvais que c'était quand même, bon, c'était pas utile dans le sens que c'est pas grâce à ça qu'on va instaurer les Français vont instaurer le RIC constituant. Mais c'était quand même utile parce que, ben, on voyait, par exemple, on apprenait des choses quand même quand on regardait cette émission. Peut-être qu'on va regarder une autre à l'occasion. Mais quand on regardait ça, on voyait, enfin, il y a deux choses qui m'ont frappé. La première, c'était que, même, il n'y avait pas tellement de voix parmi ces parlementaires qui défendaient le RIC constituant. C'est fou, hein. Presque pas. Presque pas. Presque pas. Donc, ça veut dire que même l'opposition, donc ça veut dire qu'il y a une opposition, il ne faut pas s'imaginer que l'opposition est pour le RIC constituant, disons,
ceux qui vont faire réconstituant, c'est une opposition à construire. Donc ça, c'était quand même une information assez flagrante. Quelque part, on savait déjà, par exemple, que le Rassemblement national était contre le réconstituant, et on sait que la France insoumise est toujours un petit peu ambiguë sur le sujet. Mais là, c'était dans un temps court, à peu près 20 minutes, on voyait très, très clairement la chose. Donc ça, c'est un premier enseignement. Puis l'autre enseignement, c'était les arguments évoqués par le rapporteur contre le réconstituant. Et c'était vraiment des très mauvais arguments, du genre de à dire c'est anti-parlementaire, c'est contre le Parlement, etc. Comme si en Suisse, il n'y avait pas de Parlement, alors qu'il y a le réconstituant. Donc, c'est des arguments assez faciles à démolir. Donc, c'est intéressant de savoir quels sont les arguments. À la limite, il se pourrait qu'un jour, il se pourrait qu'ils aient des bons arguments, on ne sait jamais. Mais là, c'est bien, c'est intéressant de voir quels sont les arguments qui sortent quand on leur pose la question. Oui, il faudrait qu'on en parle. Peut-être qu'on pourra tout à l'heure, si on n'a pas été trop long dans la première partie, on pourra peut-être faire une deuxième partie sur ce. Passer peut-être la vidéo, je crois qu'elle dure 20 minutes. Et puis la commenter quand on veut tous les deux. Parce que les arguments contre, donc ils sont cités, énumérés dans cette vidéo. Et c'est scandaleux du début à la fin, quoi. Donc peut-être ça peut être intéressant pour nous de réagir brièvement. La troisième pétition. Je trouve qu'il y a quand même de quoi faire passer les cheveux sur la tête quand on a des cheveux. Donc oui, je crois que ça serait effectivement intéressant. Maintenant, pour ce qui est de l'épisode, cet épisode-là de la réforme des retraites, oui. Il me semble, là, ça met plutôt la lumière sur un autre RIC qui est le RIC veto, donc ce qu'on appelle oui. Des fois en France, je crois, le RIC suspensif, qui permet de s'opposer à une nouvelle loi. Et effectivement, si ça existait en France, le peuple, je pourrais faire comme en Suisse, simplement, récolter des signatures, et puis s'il y a assez de signatures, ça passerait en votation. Et je crois que cet épisode-là, il met vraiment la lumière sur la nécessité de ce RIC veto. Un RIC veto qui peut parler plus aux gens que le RIC constitutionnel, parce que la Constitution, ça paraît souvent assez lointain aux gens. Tandis que là, on a un exemple très précis de la réforme des retraites qui concerne de façon très directe les gens. Et les gens se rendent compte ou devraient se rendre compte que s'ils avaient ce RIC veto, ils pourraient s'opposer à cette réforme. Et je crois que ce qui est particulièrement, éclairant dans cet épisode, c'est quand Macron vient et dit moi j'ai été élu, j'ai été élu par le peuple, j'ai le droit d'imposer au peuple quelque chose que le peuple ne veut pas. Il ne dit pas exactement comme ça, mais il dit quelque part qu'il a légitimité parce qu'il a été élu. Mais premièrement, un élu n'a jamais légitimité sur tout son programme parce qu'il a été élu, parce que c'est très improbable que la majorité soit en faveur de chaque point de son programme. Il y a un certain nombre de candidats avec un certain nombre de programmes. Les citoyens choisissent un des programmes qu'ils trouvent le meilleur ou le moins pire, et puis ça ne veut pas dire qu'ils sont en majorité d'accord sur chaque point de programme. Donc c'est un argument faux de façon générale, mais il est encore plus faux dans ce cas particulier, parce que Macron a été élu, beaucoup de ceux qui ont élu pour lui ont voté pour lui, l'ont élu, voté contre Le Pen, et lui-même l'a reconnu. Donc, on pourrait mettre une vidéo avec, d'un côté, Macron qui dit « Je suis conscient que ceux qui ont voté pour moi n'ont pas forcément voté pour mon programme, et que ce vote m'oblige, m'oblige à tenir compte de ceux qui ont voté pour moi, mais qui n'étaient pas d'accord avec mon programme. » Et puis maintenant, ça c'est ce qu'il disait au soir de l'élection, puis maintenant à dire « Si vous ne vouliez pas une augmentation de l'âge à la retraite, il ne fallait pas voter pour moi. » Là, on a un élément vraiment flagrant qui montre de façon flagrante que le fait d'avoir été élu, c'est pas une raison pour dire le peuple est d'accord avec chaque point de mon programme. Et en plus, le cerise sur le gâteau,
Macron utilise le 49-3 pour mettre hors circuit le Parlement qui a aussi été élu. Donc finalement, il y a aussi une certaine hypocrisie de s'appuyer sur cette élection. Mais voilà, donc je crois que ça, c'est le point qui ressort, qu'on devrait pouvoir faire ressortir de cet épisode, de sorte qu'à l'avenir, il suffirait de dire réforme de la retraite ou réforme de la retraite et Macron, et tout le monde se souvient. Ouais, ça veut dire quand quelqu'un est élu, ça ne veut pas dire que le peuple est d'accord pour chaque point de son programme. Et donc, il y a légitimité à faire voter, sur les points importants, à faire voter le peuple sur un sujet comme la réforme des retraites. Bon, il y a deux choses peut-être, une courte, une un peu plus longue. D'abord, sur cette histoire de réforme des retraites. À mon avis, à chaque fois qu'on dit réforme des retraites, il faut faire ce signe des guillemets pour montrer que nous avons compris que c'est une arnaque langagière, qu'il y a une inversion du sens des mots, que le mot réforme veut dire, nous savons très bien que le mot réforme veut dire, c'est dans tout le dictionnaire, ça veut dire modification en bien, donc il y a une connotation améliorative, positive pour le mot réforme, et que ça fait maintenant 30 ans que les néolibéraux, ceux qui détruisent l'État social, toutes les solidarités, toutes les protections, tout, qui détruisent l'État de droit en fait, appellent leur régression, leurs crimes antisociaux, ils les appellent réformes, alors que ce sont des régressions, ce sont des attaques, ce sont des crimes. Donc, quand on parle de ces mesures liberticides, de ces lois scélérates, on ne devrait pas en parler en disant les réformes comme si de rien n'était. Tu vois, il faudrait dire réformes en faisant au moins le signe avec la main, et si c'est pas, s'il n'y a pas de vidéo, en disant c'est prétendu réforme. Parce que si tu veux, nous sommes comme involontairement complices de cette inversion du sens des mots. Quand on utilise les mots imposés par l'adversaire, on s'empêche de penser. Parce que quand on dit réforme des retraites, qu'on le veuille ou non, hein, ça finit par marteler une idée, c'est que c'est pas si mal. Alors que c'est un crime, c'est une loi scélérate. Deuxième chose, tu dis à l'occasion de ces retraites, quand même, on s'aperçoit que les élus se permettent de nous imposer des lois scélérates dont nous ne voulons évidemment pas, au simple titre qu'ils ont été élus, et alors que, comme tu le rappelles très bien, aucun élu ne peut dire qu'il a été élu avec un accord de ses électeurs pour 100% de son programme, évidemment. On élit la moins pire des crapules à chaque fois. Et même sans aller jusque-là, hein, même quand on est content de l'élire, on n'est pas d'accord avec tout. Mais les retraites, là, les lois scélérates sur les retraites ne sont pas du tout les premières. On a tous les jours des exemples comme ça en France. Puisque nous n'avons pas de moyens de résister, l'histoire des saloperies qu'on nous fait, l'histoire des saloperies que nous font les élus, qui sont vraiment des ennemis du peuple, comme dit Yvan. Ce sont des voleurs de pouvoir, des ennemis du peuple, et le nombre de saloperies qu'ils nous font depuis des décennies ne tient pas dans un gros livre, il en faudrait plusieurs. Donc, oui, effectivement, la loi scélérate sur les retraites pourrait servir d'exemple de ce que les élus, d'abus de pouvoir des élus. Mais ce n'est pas la première fois, tu vois. Mais je veux dire, il serait temps, je trouve, plutôt que de protester contre ces lois scélérates, qui sont quelques-unes de plus, quoi, hein, il faudrait qu'on s'en prenne à la cause, quoi. Hein. Donc, quand on va parler de la comparaison suisse, ça va nous rendre sensibles les institutions qui nous manquent, ça a déjà commencé. Et c'est intéressant de dire que le RIC veto contre une loi, c'est peut-être plus parlant de l'appeler comme ça que RIC abrogatoire, parce qu'il permet d'abroger, abroger ça veut dire annuler une loi, c'est peut-être plus parlant parce que abrogatoire, pour plein de gens, ça ne doit pas vouloir dire grand-chose. Quand on dit RIC veto contre une loi, c'est plus simple, et c'est vrai que c'est plus parlant que le RIC constituant. J'avais envie de dire que là, dans un pays où on a un RIC veto contre les lois, il n'y a pas besoin de manifestation puisque c'est nous qui allons décider. Donc,
Ça, ici, on ne manifeste que parce qu'on est infantilisé, parce qu'on est impuissant, parce qu'on est traité comme des incapables par nos maîtres cruels, nos parents cruels, que sont nos parents adoptifs, que sont les élus, et qu'on n'a rien d'autre, en fait, que la rue, manifester, aller se faire gazer, mutiler, éborgner par les forces, c'est pas de l'ordre, c'est les forces du régime tyrannique. J'ai une question, Pierre-Alain, est-ce qu'en Suisse, il y a des manifestations? Et en quoi elles sont différentes des nôtres? Et c'est peut-être des manifestations pour réclamer, pour aider à collecter les signatures? Comment ça se fait qu'il y a des manifs en Suisse? Si vous avez le droit de décider, normalement, il n'y a pas besoin de manifester, vous décidez, puis voilà, non? Effectivement, il n'y a pas besoin de manifester. Disons, les citoyens peuvent signer ou même donc lancer des initiatives pour faire une proposition. Mais il y a des manifestations. Donc, il y a, par exemple, des manifestations. Il y en a eu une la semaine passée sur manifestation pour le climat. C'est une façon aussi de se compter en se retrouvant. C'est une façon aussi de faire parler de son thème dans les journaux, disons, parce que quand il y a une manifestation qui finit sur la place fédérale à Berne, ça fait parler. Donc c'est une façon de faire de la pub, mais disons, c'est pas, en tout cas pour les citoyens, c'est pas indispensable. Et je crois que ça c'est important, c'est-à-dire que d'être réduit à manifester. Et puis ensuite, disons, manifester, c'est bon, y a souvent de la violence, souvent même des deux côtés, disons, de la violence policière et puis aussi de la part de certains manifestants. Il y a de la violence policière aussi en Suisse? J'imagine que ça peut se passer. Moi, je ne suis pas très... Je ne suis pas très présent dans les manifestations. Hein. Justement, je vote et je ne vais pas spécialement dans les manifestations. Il y a certainement, ça peut arriver qu'il y ait un dérapage d'un côté ou de l'autre, disons. Attends, excuse-moi d'insister. On va sûrement se revoir, hein, on va essayer de faire plusieurs fois ces émissions pour se servir de, j'allais dire l'exemple suisse, mais j'ai vu dans les commentaires que ça gênait plein de gens, qu'on parle d'exemple suisse, comme si c'était un exemple à suivre. C'est pas ça qu'on veut dire quand on dit exemple suisse. La Suisse est un des pays qui peut servir d'exemple de pays qui a le RIC. C'est ça qu'on veut dire. On ne veut pas dire qu'il est exemplaire en tout. Donc, il ne faut pas le prendre en mauvaise part. Mais c'est une bonne idée, je trouve, ce qu'on commence là, de se servir du cas suisse pour mettre en évidence ce qui manque aux Français. Et est-ce qu'on pourrait, pour une prochaine fois, puisque tu peux noter dans tes tablettes, d'essayer de rencontrer un ou deux Suisses que tu connais qui, eux, sont tout le temps dans les manifs et sont bien au courant de ce qui se passe. Je pense que les Suisses suivent beaucoup plus l'actualité française que les Français suivent l'actualité suisse. C'est pareil en Belgique. Les Belges, en fait, connaissent mieux le nom de nos ministres que nous-mêmes. Et donc, tes copains manifestants que tu pourrais, enfin qui ont l'habitude de manifester, qui pourraient te renseigner, pourraient te dire s'il y a une commune mesure entre la violence, je pense pas, hein, entre la violence des policiers français et des policiers suisses. Ça rejoint ce qu'on disait d'ailleurs, hein, parce que sur le RIC veto, l'exécutif qui maîtrise la police et l'armée, la police pour l'intérieur, l'armée pour l'extérieur, dans tous les pays du monde, et notamment dans les pays où il n'y a pas de limite comme chez nous, en France, ont tendance à s'autonomiser, à s'affranchir progressivement de tout contrôle. Or, pour les manifs, puisque les manifs sont la dernière limite minuscule, mais quand même une limite quoi, hein, à la population, l'exécutif se permet, là aussi, des lois scélérates épouvantables. Là, il vient de passer, c'est même pas la semaine dernière, ça, peut-être cette semaine ou la semaine dernière, il y a très peu de temps, vient de passer discrètement et par décret, c'est même pas une loi, hein, vient de passer par la reconnaissance faciale. Non, mais c'est Big Brother, ça, c'est vraiment, c'est scandaleux. C'est, pendant des décennies,
ce type de surveillance était criminalisé et maintenant ça passe cash. C'est-à-dire que l'exécutif se permet de plus en plus des lois scélérates. Donc la cyber-reconnaissance, la vidéo-reconnaissance, la reconnaissance faciale, et puis la surveillance par drone. Et bientôt, c'est quoi ? Bientôt, on va nous tirer dessus par drone ? Il faut comprendre que... Et ça, j'imagine qu'en Suisse, ben, si l'exécutif se permettait de dire « on va pouvoir surveiller les gens par drone, on va pouvoir faire de la reconnaissance faciale », j'imagine que les Suisses diraient non. Tu en penses quoi, toi ? D'abord, il y aurait sûrement des pétitions pour faire un veto sur ces lois. Mais tu penses que les Suisses voteraient pour ou contre ? Écoute, il y a eu une votation l'année passée ou plus lointainement, c'est soit l'année passée, soit 2022, soit 2021, je me souviens plus, en rapport avec ce genre de choses, de reconnaissance comme ça. Et je me souviens plus le résultat de la votation, il faudrait que je regarde. Mais disons, on pourrait probablement avoir une votation sur un point similaire, disons, pour... On pourrait en reparler lors d'une prochaine soirée, ça, des manifestations, de la violence policière et de... Est-ce que les médias suisses seraient capables de faire peur aux Suisses, comme les médias français font peur aux Français, pour que les Suisses votent contre leur intérêt, contre leur liberté, quoi, hein, en acceptant... pour des raisons de sécurité, puisque c'est toujours comme ça que l'exécutif obtient notre accord, pour obtenir le vote des citoyens d'accord avec les lois scélérates. Est-ce que il faudrait qu'on fasse une émission pour voir un peu le niveau de la violence des policiers suisses dans les... Parce que je t'ai entendu plusieurs fois expliquer que les parlementaires suisses se comportaient mieux parce qu'ils savaient qu'ils allaient être censurés par RIC s'ils faisaient une connerie, s'ils contredisaient violemment la volonté générale. Ils savent qu'ils seront forcément censurés, donc leur loi va être annulée par les citoyens directement, et le sachant, ils prennent moins de lois crapuleuses. Je t'ai entendu plusieurs fois dire ça. Oui, c'est au fond, les votations, c'est le sommet de l'iceberg qu'on voit beaucoup, parce que ben, quand il y a une votation sur un sujet, ça passe dans les médias, etc. Il y a tous les débats, etc. Mais une partie plus importante encore, c'est le fait que le gouvernement et le Parlement, quand ils font une loi, eh bien, ils savent que, ben, il risque d'y avoir un référendum. Donc, ils se posent la question, est-ce que ce qu'on est en train de faire, est-ce que ça risque de passer? Est-ce qu'on gagne un référendum s'il y a un référendum? Et ça, c'est un point extrêmement important. Même indépendamment de ces votations, le fait qu'il pourrait y avoir une votation, ça a déjà un impact. Donc, ça, c'est effectivement un canal important. Pour ce qui est de... Les citoyens suisses peuvent changer la constitution, donc ils ont la main sur le sommet de l'édifice juridique. Donc, au niveau de comment se comporte la police, les lois comme ça, ils peuvent tout changer s'ils veulent. Donc, dans la constitution. À travers la constitution, ouais. Et maintenant, donc on pourrait faire une émission sur les manifestations. C'est vrai que moi, je suis pas... J'ai une amie qui m'a téléphoné justement la semaine passée en me disant elle était à une manif sur le climat, elle me demandait si je serais là, et effectivement je suis assez rarement, enfin je suis pas tellement dans les manifestations, donc je pourrais me renseigner et puis on pourrait faire une émission sur les manifestations. J'imagine qu'il y a assez peu de... Il y a un commentaire auquel il me semble important de répondre. Mais puisqu'on parle de qu'est-ce que les Suisses voteraient ou ne voteraient pas pour leur bien. C'est un commentaire qui revient extrêmement souvent. Les Suisses étaient d'accord pour les règles sanitaires, soi-disant. Je ne suis pas sûre qu'ils ne seraient pas d'accord pour la surveillance généralisée. Est-ce que, Pierre-Alain, tu peux peut-être
éclaircir leur la décision des Suisses en faveur des règles sanitaires, parce que ce n'était pas si simple à voter. Hein. On parle du Covid, là. Hein. Parce qu'il y a Anna qui dit aussi, dans le même ordre d'idée, qui dit si le RIC sans assainissement des médias permet d'induire le contraire de ce qu'il est censé produire. C'est-à-dire que les médias possédés par les riches, et ils le sont aussi en Suisse, ont les moyens de nous faire voter contre nos intérêts en nous mettant la tête à l'envers, en nous faisant peur. Je pense que tu l'as vécu, ça, non, en Suisse, ou pas? Pas forcément, peut-être. Si. Donc, il y a certains... Peut-être je réponds d'abord par rapport au Covid et ensuite par rapport aux médias. Le Covid, bon, d'abord pour faire un lien entre le Covid et les manifestations, il y a des décisions qui ont été prises par le droit d'urgence. Et évidemment, là, la loi, elle est immédiatement appliquée. Normalement, on attend 100 jours, et pendant 100 jours, elle n'est pas appliquée. Puis on attend le délai référendaire pour voir s'il y a un référendum, et puis après, on attend le référendum pour... Mais quand il y a ces lois urgentes, c'est appliqué tout de suite. Et donc là, il y a eu des manifestations, notamment dans le cas du Covid, contre ces règles. Et là, c'est un peu une exception par rapport à ce que je disais avant. Je disais, ouais, on n'a pas besoin des manifestations, on peut le faire, mais ce n'est pas indispensable. C'est clair que quand il y a recours au droit d'urgence, là, il n'y a plus que les manifestations comme moyen. Donc là, c'est une exception. Maintenant, concernant ce Covid, il y a eu... la Suisse a déjà voté deux fois sur la question, sur les règles du Covid. Parce que, bon, le droit d'urgence, ça va un certain temps, mais ensuite, le Parlement doit confirmer. Et puis, quand le Parlement confirme, c'est soumis au référendum. Et bien, il y a évidemment des gens qui ont demandé le référendum, qui ont réuni signature pour demander le référendum. Donc, on a voté une première fois sur ces règles. Les règles ont été acceptées. Donc, ceux qui ont demandé le référendum ont perdu, quoi. Ensuite, on a voté une deuxième fois. Et là, c'était un tout petit peu traître parce que c'était une continuation ou d'autres règles. Et puis, dans ces règles, il y avait deux choses en même temps dans les règles. Il y avait les règles sanitaires elles-mêmes. Et puis, il y avait des aides aux entreprises. C'est vraiment foireux quand même. Hein. Et tout vraiment ça dans la même loi. Voilà. Et ceux qui étaient contre, ceux qui ont demandé le référendum, ils étaient contre les règles sanitaires, mais ils n'étaient pas contre le soutien aux entreprises. Et ensuite, c'était assez, désolant d'entendre les débats où il y a des gens qui disaient « Oui, ben, si vous refusez ça, il n'y aura pas d'aide aux entreprises, disons. » Quelle scélératesse. Enfin, vraiment, les gouvernants suisses et les parlementaires suisses, c'est vraiment la même engeance de voleurs de pouvoir qu'en France, quoi. C'est vraiment le problème. On a un problème. L'humanité a un problème avec les élus, quoi. Nous avons un putain de problème avec les élus. C'est vraiment, ils se comportent comme des ennemis, mais c'est presque comme si la procédure conduisait même des gens bien à se comporter mal. C'est incroyable de mélanger dans un référendum, C'était une loi, et puis il y a eu référendum sur la loi. Donc un référendum veto par rapport à cette loi. C'est la loi qui mélangeait ou c'est le référendum? Non, c'est la loi qui mélangeait. Et puis ceux qui faisaient le référendum, ils devaient s'opposer à la loi, quoi. Et c'est... Qui, elle, mélangeait les deux choses. Et c'est évident, quoi, hein, que c'est fait pour ça, parce que ça marche vachement bien. Il y a plein de gens qui ont voté pour les règles sanitaires parce qu'ils voulaient la perduration des aides aux entreprises. Exactement. Donc là, il y a eu un mélange des choses. C'est vraiment. Et il n'y a pas une Pierre Alain, il n'y a pas une autorité supérieure citoyenne, tu vois, la chambre du référendum, par exemple, qui serait tirée au sort et qui pourrait invalider la loi simplement parce qu'elle mélange tout. Tu vois qu'il y aurait une autorité sur le Parlement. Disons. Une façon, ça serait de faire une autorité, mais alors il faudrait effectivement qu'elle soit tirée au sort, parce que si elle est simplement élue, ça va être le même problème qu'avec tous les élus, disons, comme tu le mentionnais tout à l'heure. Ça serait une possibilité, mais il y a des solutions plus chirurgicales, disons. Une façon, ce serait de dire, quand on fait un référendum, on devrait pouvoir, au lieu de dire « je suis contre toute la loi », on devrait pouvoir dire « je suis contre l'alinéa 3 de la loi », disons, dire spécifiquement. Et ça serait très chirurgical, ça serait beaucoup plus simple à faire.
Et ça, ce serait vraiment une modification qui serait très utile, disons, pour empêcher ensuite. Et puis, évidemment, les élus, ils sont les mêmes partout. Hein. Et puis, j'étais un peu gêné tout à l'heure quand on parlait de la Suisse, cas exemplaire. C'est pas exemplaire, comme tu le disais, c'est pas l'exemple à suivre. C'est pas non plus le sommet indépassable de la démocratie. C'est simplement un endroit où il existe un instrument, le reconstituant, puis le référendum veto au niveau national, et puis d'autres choses encore au niveau cantonal. Et c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Et puis ce RIC, d'ailleurs, disons, c'est quelque chose qu'on a, c'est une idée qu'on a empruntée à Condorcet. Donc c'est une idée française à la base. Donc c'est pas une idée, l'idée de faire tout comme en Suisse, c'est de voir comment on fonctionne en Suisse. La mise en application d'une idée qui en fait est une idée française. Et mais effectivement, il y a des problèmes comme ça. Et je crois que la façon la plus chirurgicale, ce serait de pouvoir dire, au lieu de dire je suis contre la loi, de dire la nouvelle loi dans son entier, de dire je suis contre ce passage-là de la nouvelle loi. Ça je l'ai noté. Je suis en train d'écrire une constitution et je vais modifier le RIC abrogatoire pour permettre d'abroger non pas toute une loi, mais une partie seulement. C'est important. Ça, c'est un truc important pour moi, là, ce soir-là. Il y a un truc que je vais améliorer. Je voulais te poser une question. Je vois un commentaire de Léo qu'il faut lire. Tu parlais d'une loi d'urgence. Je ne savais pas qu'il y avait ça en Suisse. C'est vachement bien que la loi ordinaire soit constitutionnellement, donc obligatoirement, accompagnée d'un délai de 100 jours pour permettre aux opposants de s'opposer. Ça, c'est vachement bien, ça. Ça aussi, il faut le reprendre dans une constitution d'origine citoyenne, parce que c'est vraiment bien. Et tu me dis, dans une loi d'urgence, quand l'urgence est décrétée, on n'a pas ce délai, la loi s'applique tout de suite. Ma question est, qui décrète l'urgence? Parce que si c'est l'exécutif, ou même si c'est le Parlement, il y a un problème, enfin, c'est un problème évident, c'est-à-dire que ces gens-là ont le moyen de faire sauter le verrou, la protection qui était dans la règle dont on vient de parler. Le délai de 100 jours pour permettre aux opposants de s'opposer, si les élus peuvent le court-circuiter simplement en décrétant l'urgence, c'est trop facile. Qui peut décréter l'urgence en Suisse? Mais c'est justement, ça c'est un problème, ça ne devrait pas être celui qui gère la situation d'urgence qui peut décréter la situation d'urgence. Ça ne devrait pas être comme ça. Il se trouve que c'est comme ça. Donc, c'est le gouvernement qui décrète la situation d'urgence. Et puis ensuite… Comme pour les guerres, d'ailleurs, tu sais, il y a un autre sujet dont on pourra peut-être parler dans une autre soirée, qui est la guerre. La guerre contre la Russie, la guerre que la France mène contre la Russie, donc la guerre que nos représentants, dans laquelle nos représentants nous tirent par les cheveux pour nous jeter dans cette guerre contre la Russie, c'est une dinguerie criminelle, vraiment, vraiment, c'est criminel. Et qui a déclaré la guerre? Qui déclare la guerre? Mais c'est le président, un homme seul, contre nous tous. Et ce gars-là déclare la guerre comme il avait déclaré la guerre contre le virus, en disant « nous sommes en guerre ». Dans la constitution que j'écris, il est interdit expressément à l'exécutif de déclarer la guerre. Parce que c'est la même chose avec l'urgence. En cas de guerre ou en cas d'urgence, les humains savent bien qu'ils doivent obéir. C'est pas le moment de contester, quoi. C'est pas le moment de faire chier. Il y a une urgence, il y a une guerre, on risque de perdre. Donc, les humains savent, et c'est légitime, moi aussi, évidemment, tout le monde, hein, on sait que en vraie situation d'urgence, en vraie situation de guerre, ben, on suspend nos querelles intestines et nos oppositions, même virulentes, pour que le chef d'armée ait les mains libres pour qu'on puisse bien se bagarrer et pas se faire écraser. Mais sachant ça, sachant que les humains savent ça, les tyrans s'en servent et ils déclarent les guerres et ils favorisent les guerres, ils ourdissent des complots qui conduisent aux guerres. Et à mon avis, de bonnes institutions, je ne crois pas que ce soit le cas en Suisse, hein. Enfin, je ne sais pas, tu vas me dire, mais il me semble que de bonnes institutions devraient
interdire à l'exécutif de déclarer la guerre. L'exécutif, elle a une position neutre hein, par rapport à l'Ukraine. Donc, j'ai eu un petit problème technique. J'ai été sorti un petit moment donc, je n'ai pas tout entendu, mais je crois que j'ai compris le point. Disons, par rapport à la guerre, la Suisse ne déclenche pas de guerre. Disons, si on est attaqué, on se défend. Mais qui pourrait la déclarer? Est-ce que le gouvernement pourrait déclarer la guerre? Je devrais vérifier de la Constitution. On en reparlera. On fera une émission sur la guerre, si vous voulez. Ouais, si, est-ce que l'Union devrait interdire à l'exécutif de déclarer la guerre parce qu'il y a intérêt. Grâce à la guerre, les citoyens, vont devenir dociles. Donc, c'est scandaleux qu'on lui laisse déclarer la guerre alors qu'il y a un intérêt. Ben, le résultat, c'est qu'il va la déclarer. Donc, si ce n'est pas la guerre contre l'Ukraine, ça va être la guerre de tous contre tous avec l'Union européenne, hein, ça va être la guerre économique. Quand il déclare le libre-échange, c'est-à-dire la guerre généralisée de tous contre tous, c'est encore une guerre qui fait peur à tout le monde et qui fait que tout le monde se tient docile. Enfin, il y a un vrai sujet sur la guerre avec notre protection par des institutions qui empêchent, qui interdisent, sous peine de forfaiture et de révocation, quoi, hein, qui interdisent aux hommes au pouvoir, élus ou présidents, de déclencher les guerres. Guerre contre les virus, ou guerre contre la Russie, ou guerre contre tous les autres pays du monde dans le cadre du libre-échange, enfin, etc. On fera une émission là-dessus, si tu veux bien. Ouais. Dans le cas de la Suisse, donc il faudra que je vérifie quand on fait cette émission, que je vérifie pour savoir si le gouvernement peut déclarer une guerre, mais ça m'étonnerait, je n'ai pas l'article en tête, mais disons, c'est plus ou moins inconcevable que la Suisse déclare une guerre. Disons, c'est vraiment un pays... qui n'entre pas en guerre et qui se défend uniquement. C'est en plus un pays neutre, ce qui pose des tas de questions par rapport à l'Ukraine en ce moment. Mais justement, il y a par exemple parmi les initiatives en cours, il y en a une qui concerne la neutralité, parce que le peuple peut changer la constitution pour décrire plus précisément ce qu'il entend par neutralité. Donc, il y a une initiative en cours pour préciser la notion, enfin, pour rendre plus stricte peut-être la notion de neutralité. Et par contre, on n'a plus ce problème par rapport au droit d'urgence. Enfin, la guerre contre le Covid, là, on a plus le problème. Parce qu'effectivement, il y a des situations où le gouvernement doit agir dans l'urgence. On a eu récemment... il y a eu la crise du Crédit Suisse, c'était la deuxième banque suisse, et le gouvernement, en quelques jours, a mis en place un système où la première banque suisse a racheté, disons, cette deuxième banque suisse qui est en train de s'écrouler. Donc, et ça s'est fait aussi dans l'urgence. Le Parlement a voté ensuite, parce que, bon, après, le Parlement peut voter, et le Parlement a d'ailleurs voté contre la décision du gouvernement. Mais c'était sans effet rétroactif parce que les choses qui ont été décidées dans l'urgence, elles entrent en vigueur. Le Parlement ne pouvait plus que commenter finalement ces décisions. Donc, un point important, c'est de dire qu'un pays comme la Suisse, même avec sa démocratie directe, elle peut réagir dans l'urgence, ça se produit, mais que ce droit d'urgence, c'est aussi une menace pour la démocratie parce qu'il y a des risques d'abus du droit d'urgence. Oui, bien sûr. Alors, par exemple, il y a une initiative qui est en cours pour parce que la situation actuelle, c'est que le droit d'urgence, il dure un certain temps. Ensuite, ça doit passer au Parlement. Oui. Et quand ça passe au Parlement, si c'est une loi urgente, on peut demander le référendum contre, si on est contre. Mais la loi, elle reste en vigueur. Avec la loi, la constitution actuelle, elle reste même en vigueur une année après que le peuple a décidé. Donc, si le peuple vote contre, ça reste en vigueur une année, ça peut rester en vigueur une année après. Et donc, c'est énorme, alors que le peuple aurait voté contre, hein, dans un scénario où le peuple aurait voté contre. Et Pierre-Alain, qu'est-ce que tu réponds d'ailleurs aux Français qui disent que les Suisses votent contre leur intérêt? Oui, je viens juste dans un instant à ça, contre leur intérêt. Je voulais juste terminer en disant qu'il y a justement une initiative qui est en cours pour changer le système et faire que quand il y a un droit d'urgence,
quand le Parlement vote une loi d'urgence, pour être précis, alors le référendum est obligatoire, il n'y a même pas besoin de réunir les signatures, et puis si le peuple vote contre, elle cesse immédiatement d'être en vigueur. Donc elle sera en vigueur jusqu'au moment de la votation quand même, puisque c'est une loi d'urgence, mais elle cesserait d'être en vigueur. Donc voilà, les citoyens peuvent proposer d'autres... Et comme j'ai vu un commentaire de Léo tout à l'heure, il est remis maintenant. C'est effectivement, parce que s'il y a des défauts dans la Constitution suisse, c'est la faute du peuple suisse, puisque le peuple suisse pourrait modifier la Constitution. Mais donc, par rapport à ta question, est-ce que les Suisses votent contre leur intérêt? Je pense que ça peut... Je crois que souvent, quand on dit les Suisses ont voté contre leur intérêt, c'est qu'ils ont voté différemment de ce qu'on aurait voté soi-même. C'est-à-dire, moi aussi, ça m'arrive que les Suisses, ils votent différemment que j'ai voté moi-même, disons. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont voté forcément contre leur intérêt. Et j'ai l'impression, de façon générale, on ne peut pas dire que les Suisses votent contre leur intérêt, parce que les Suisses, finalement, ils ne vivent pas trop mal. Et si j'en juge par le nombre de gens qui immigrent en Suisse, notamment depuis la France, ça doit être un pays où il fait quand même bon vivre, et ça ne serait pas le cas si les citoyens votaient constamment contre leur intérêt. Donc, je ne pense pas que ce soit le cas de façon générale, mais ce qui est vrai, c'est que sur certains sujets, les médias peuvent faire une sorte de lavage de cerveau, disons, venir, s'il y a tous les médias qui disent la même chose, et si ça se joue à 75% contre 25%, les médias ne vont pas pouvoir changer ça. Mais si ça se joue à 52 contre 48, c'est clair que celui qui a les médias, il va gagner. Qui a les médias de son côté, va gagner. Donc, ça peut arriver, peut-être parfois, qu'ils votent contre leur intérêt, mais je crois que souvent, parce qu'on dit, on parlait des retraites, par exemple, au début de cette émission, et l'âge de la retraite en Suisse, c'est 65 ans. Et les cotisations sont plus courtes, je crois. Non, on paye jusqu'à la fin. Ils ont 25 années, ils ont moins d'années, je crois. Pour ceux qui ont commencé. Ah ouais, c'est. Ouais, ouais, eux, ouais. Ils peuvent l'apprendre plus tôt. Il y a une. Je ne sais plus si c'est 42 ans de cotisation, quelque chose comme ça. Mais voilà, donc il y a eu plusieurs votations en Suisse. Enfin, il y a eu pas mal de votations en Suisse sur l'assurance. Ce qu'on appelle, nous, l'AVS, l'assurance vieillesse, c'est donc les rentes vieillesse. Et dans certains cas, le peuple. Il y a eu un cas il y a quelques années où le peuple a refusé la réforme qu'avait proposé le gouvernement, enfin le Parlement, quoi, le gouvernement et le Parlement, et le peuple l'a refusé. Et plus récemment, l'année passée, le peuple a accepté l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans, parce qu'il y avait eu un décalage, les femmes étaient à 64 et les hommes à 65, et le peuple a accepté d'amener... Donc de temps en temps, il accepte des choses qui vont dans le sens d'avoir, disons, la retraite plus tard. Et puis, un spectateur nous dit, en Suisse, il y a des piliers, je pense qu'il voulait dire palier, pas en France. Non, il veut dire pilier. Il y a trois, en Suisse, on dit qu'il y a trois piliers. Il y a le premier pilier, c'est le... c'est le même qu'en France, c'est-à-dire c'est le système par répartition, c'est-à-dire les actifs payent, il y a l'argent qui sort de la poche des actifs et qui va dans la poche des retraités. Ça, c'est ce qu'on appelle l'AVS, l'assurance vieillesse, le premier pilier. Et puis, il y a un autre truc qui s'appelle le deuxième pilier, et là, c'est un mécanisme par capitalisation, c'est-à-dire que vous faites un certain capital, il y a une certains niveaux de contribution qui est obligatoire, et vous avez un certain capital, et puis après, ça vous s'est transformé en rente, ou bien vous pouvez aussi le prendre en capital à l'âge de la retraite. Et ça, c'est ce qu'on appelle le deuxième pilier. Donc, un système par capitalisation. Et il y a aussi ce qu'on appelle le troisième pilier. Dans ce système par capitalisation, il y a quand même, c'est pas vraiment comme si, en première approximation, c'est comme si chacun avait sa caisse qu'il alimente et puis il l'utilise ensuite après. Mais ça, c'est seulement en première approximation. En réalité, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des échanges entre... Ça va plutôt dans une caisse commune et puis après, c'est réparti en fonction de combien on a contribué, etc. Il y a quand même... c'est pas vraiment chacun sa caisse.
Mais il y a aussi le troisième pilier. Alors, le troisième pilier, c'est où chacun épargne. Là, c'est purement volontaire. Si vous ne voulez pas en avoir, vous ne le faites pas. Mais vous pouvez épargner d'une façon qui est favorisée par la par le fisc, au niveau donc fiscal. Vous pouvez mettre, ça en Suisse, à peu près 7000 francs maintenant, par an, sur un compte donc qui est déduisible aux impôts. Et puis après, ça vous fait justement votre troisième pilier. Alors là, c'est vraiment votre argent à vous. Et quelle est la différence majeure alors avec la réforme française pour la retraite? Bon, la réforme française, une réforme équivalente, ça serait une réforme sur le premier pilier, donc puisque la France a un système par répartition, donc ça serait une réforme de l'AVS. Mais c'est mieux en Suisse alors ou pas? Je crois que c'est mieux de diversifier les piliers, effectivement, de pas toujours, de temps en temps, suivant certaines circonstances, il vaut mieux avoir un pilier, un système par répartition, dans d'autres circonstances, il vaut mieux avoir par capitalisation. Ça dépend notamment des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt sont bas, par capitalisation, ce n'est pas tellement bien. Donc, il vaut mieux diversifier les piliers, quoi. L'histoire des crises financières, c'est l'histoire de la ruine des épargnants, des retraités qui perdent tout à la bourse quand ça s'effondre. Quand leur caisse de retraite fait partie des faillis, des effondrés, si elle n'est pas reprise par une autre, les gens perdent toutes leurs économies, alors que ça, c'est absolument impossible dans un système comme le nôtre, où normalement, avant que c'est Balladur qui ait commencé à saborder les retraites, et donc il y a un sabordage volontaire, hein, donc c'est un crime antisocial, le gouvernement se mêle de ce qu'il ne regarde pas, puisque chez nous, les retraites, au début, quand ça a été conçu, en 1946, le régime général des retraites, hein, la cotisation sociale, était organisé par les salariés, et sans l'État. L'État, petit à petit, comme d'habitude, s'en est mêlé et a finalement tout dévasté. Mais c'est un système qui est très, très robuste. C'est très simple à comprendre en 30 secondes. Chaque année, dans 20 ans, on ne sait pas, mais l'année prochaine, on sait combien il y aura de salaires versés. Et on sait aussi combien il faudra verser de pensions. Donc, tu fais une simple division et tu as le taux de cotisation nécessaire pour financer le régime sans erreur. Bon, les erreurs statistiques, de rien du tout, quoi. Donc, on a le moyen, simplement, de financer, c'est un moyen simple, de financer sans excès et sans dette le système de retraite ad vitam aeternam. Il suffit d'augmenter le taux de cotisation. Et si tu manques d'argent dans les entreprises pour cotisation, tu peux baisser les dividendes et tu les remplaces par des cotisations. Tu peux interdire les dividendes qui servent à rien, hein, qui servent à financer des parasites, des gens qui servent littéralement à rien, des vampires. Donc, on se débarrasse des actionnaires et de leurs dividendes, et par contre, on finance nos retraites exactement comme sans aucun problème et sans aucun risque de tout perdre en cas de crise financière, quoi. C'est, à mon avis, le système le plus robuste. Ben, quand il n'est pas saboté par les représentants des riches, hein, parce que Balladur et toute la clique des gens qui ont suivi, c'est les représentants des riches, hein, donc ils veulent des dividendes, donc ils ne veulent plus de retraite. Enfin bref, donc, je crois que le système français était un bon système, hein, avant qu'il soit sabordé par les riches. Ce que je dirais simplement, c'est si le taux de, disons, si le nombre d'actifs par retraité baisse, parce que parce que la population vieillit. Il faut augmenter les cotisations. Et alors maintenant, il y a deux façons d'augmenter les cotisations. Une, c'est que tu dis, les cotisations, enfin, les retraites, c'est une sorte de salaire différé. Donc, on vous donne plus de salaire différé, puis moins de salaire tout de suite. Donc, ça veut dire, par rapport à un système où on n'aurait pas monté les cotisations, ça serait une baisse des salaires sur le moment. Et ça, ce n'est pas forcément acceptable, accepté par tout le monde. Et toi, ce que tu proposes plutôt, c'est d'augmenter le salaire brut augmenter le salaire brut en réduisant la rétribution du capital. Mais du capital, c'est des oisifs, c'est des gens qui font rien, en retirant les revenus des gens qui travaillent pas. Là, c'est peut-être une discussion longue, disons, c'est un sujet qui prend du temps, mais je ne suis pas du tout convaincu que le capital, ceux qui ont le capital, ne contribuent pas à la production. C'est-à-dire que si tu as
Si tu as deux travailleurs qui font une fouille, et puis un, il est au pic, il a l'appel, et puis l'autre, il a une grosse machine pour faire la fouille, bah, celui qui a la grosse machine, il aura une plus grande productivité, et Non, mais c'est ça fait. grâce à la machine. Donc, Oui, c'est mais. aussi normal de rétribuer celui qui paye la machine. Oui, mais nous n'avons pas besoin de l'argent des riches pour financer nos machines. Une collectivité publique bien organisée qui aurait le contrôle de sa monnaie pourrait financer toutes ses activités, financerait, créerait les euros nécessaires. Tu sais, le crédit, ça consiste à créer tout de suite les francs qui vont être payés par le travail plus tard. Et là, en l'occurrence, ça va être le travail de la machine. On pourrait très bien avoir des collectivités publiques bien pensées, quoi, avec des citoyens qui s'occupent de ça. Ce n'est pas les banquiers, ce n'est pas les usuriers qui s'en occupent, c'est les citoyens eux-mêmes. Et nous pourrions très bien, et vraiment, ne pas avoir nous dispenser des riches et de leur chantage, parce que leur problème, c'est que les riches se présentent avec l'argent qu'ils ont accumulé et se présentent comme les seuls apporteurs de capitaux avec cet argent qu'ils nous ont volé en nous payant des sous-salaires alors qu'on faisait de la surproduction. Ils se présentent avec leur argent comme des sauveurs en nous prêtant l'argent qu'ils viennent de nous voler. On n'a pas besoin de leur argent. Nous saurions, nous pourrions très bien, si nous étions constituants, hein, nous pourrions très bien créer nous-mêmes la monnaie nécessaire pour payer les machines dont tu parlais. Là, ce dont je te parlais, les dépenses dont je parlais de se débarrasser pour financer les retraites, c'était les revenus des actionnaires. On n'a pas besoin d'actionnaires. Le capitalisme a très bien fonctionné, même le capitalisme, hein, a très bien fonctionné avant qu'il y ait des actionnaires, hein. Et des sociétés par action, anonymes, enfin, et la responsabilité limitée, tout ça est venu alors que le capitalisme était déjà florissant. Et c'est venu renforcer les occasions de se goinfrer aux dépens des travailleurs, mais on n'a Mais pas quand le besoin. capitalisme était florissant, il y avait quand même des capitalistes. Donc il y avait des gens qui étaient propriétaires Des des moyens de moyens de production. production. Oui. Oui, mais on Et n'a pas besoin. l'autre point, tu dis, bon, si j'ai bien compris, alors dis-moi si je t'ai mal compris, mais tu dis, bon, on prend l'argent, où on trouve l'argent pour acheter les machines, donc si c'est plus les actionnaires, si c'est plus les capitalistes, où est-ce qu'on prend l'argent pour. Tu dis, bon, c'est la Banque centrale qui l'imprime, si j'ai bien compris. Oui, enfin, la banque centrale qui serait sous contrôle citoyen, parce que le problème de la banque centrale aujourd'hui, c'est qu'elle est sous contrôle des financiers. Elle est apparemment publique, mais en fait, elle est privée. Ceux qui influent la banque centrale ne sont pas du tout les citoyens, ce sont les financiers, les usuriers de métier. Donc, il faudrait repenser. Moi, pour moi, la banque centrale, ça doit être une institution publique sous contrôle citoyen, le contrôle vraiment des citoyens. Mais on peut commencer dans les communes, d'ailleurs. Hein. Quand on donne le contrôle, quand on donne à une. Et c'est politique, hein, c'est pas du tout technique, je ne te parle pas d'économie, hein, je te parle de politique, même pas de droit, je parle de politique. Nous avons besoin du moyen de financer nos décisions. Nous voulons être souverains, donc décider, mais pour être vraiment souverain, il ne faut pas avoir à emprunter l'argent qui va financer nos décisions à un usurier qui va pouvoir dire oui ou non, et c'est lui le souverain. S'il peut dire non, c'est que c'est lui le souverain. Donc nous avons besoin de pouvoir financer nous-mêmes nos activités. Les financer, c'est-à-dire créer la monnaie nécessaire pour mener nos activités. Et donc quand on donne au maire de la commune, nous, comment tu dis, Landsgemeinde, comment Landsgemeinde, 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 Land, Lands, ah oui, c'est les régions, Land, hein. Land, c'est comme les Länder, c'est Les Land, Länder, Landsgemeinde. Landsgemeinde. C'est des assemblées populaires où on vote les lois. Quand dans ces assemblées, on décide de. Maintenant, politiquement, on va donner le pouvoir de. On va donner à notre maire et à son conseil municipal, on va lui donner le pouvoir de créer la monnaie. Et en échange, il faut qu'il soit employeur en dernier ressort. C'est-à-dire qu'on lui donne ce pouvoir, qui paraît presque magique, tellement il nous a complètement échappé, nous, aujourd'hui. On lui donne ce pouvoir pour qu'il soit employé en dernier ressort, c'est-à-dire qu'il donne du travail à tout le monde. Pour l'instant, tu as deux moyens pour une, tu as plusieurs moyens pour une entreprise pour financer ses activités quand elle veut acheter du capital, quand elle veut investir. Elle peut prendre sur ses réserves, donc ça continue. Elle peut emprunter à une banque qui va créer la monnaie pour elle. Et ça, vraiment, ça pourrait être l'État ou ça pourrait être la commune ou l'État
qui crée la monnaie pour elle, au lieu que ce soit un usurier qui va lui demander un intérêt, ce qui va quasiment le plus souvent doubler la charge, hein, les intérêts vont doubler la charge pour rien, c'est vraiment des parasites. Hein. Ça pourrait très bien être une entité publique qui crée sans charge d'intérêt, ou charge d'intérêt de l'inflation, mais pas plus, hein, qui crée la monnaie pour financer. Et puis aujourd'hui, il y a les actionnaires et les obligations. Les actions, les obligations. Alors, les obligations, c'est comme un emprunt, comme si tu empruntais à une banque. Donc, tu empruntes l'argent pour rembourser. Pour ça, pourquoi pas. Mais les actions, tu y perds ton âme parce que les gens qui te donnent de l'argent à travers les actions vont devenir copropriétaires, ce qui est scandaleux parce qu'ils ne sont pas en droit, hein, mais ils se comportent comme des copropriétaires en réclamant une dîme, en réclamant un impôt sans travailler. Et donc, on n'a pas besoin de ça du tout. On n'a pas besoin de ce moyen de ce financement. Les entreprises ont d'autres moyens de financement et on pourrait très bien créer… Tu sais, en France, on a donc des caisses de sécurité sociale avec des caisses pour l'assurance maladie, des caisses pour l'assurance chômage, une caisse pour les retraites, une caisse pour les allocations familiales qui sont les revenus de celui qui ne travaille pas. En fait, il travaille énormément. Celui qui s'occupe des enfants de la maison, il a un énorme travail. C'est pas un travail qui valorise du capital au sens capitaliste, mais c'est un travail qui mérite. Et des allocations familiales servent à rétribuer ce travail. Mais on pourrait très bien imaginer une caisse supplémentaire qui serait une caisse d'investissement, qui serait financée par les cotisations. Donc, les entreprises cotiseraient de façon obligatoire, comme elles le font pour les cotisations sociales. Elles cotiseraient pour l'investissement et elles se présenteraient auprès de ces caisses pour obtenir de l'argent quand elles en ont besoin pour un investissement, en faisant comme elles font auprès des banques, c'est-à-dire qu'elles présenteraient leur dossier, voilà, on veut, et on vérifierait que ce n'est pas fantaisiste, que c'est sérieux, que ça va servir, que c'est comme font les banquiers aujourd'hui. Hein. Et ce seraient les caisses de sécurité sociale qui le feraient. On n'a pas besoin de l'argent des riches pour financer nos activités. On n'a pas besoin de l'argent des riches. Mais c'est ça que, pour revenir un petit peu sur le sujet des retraites, Pierre-Alain, combien de fois les Suisses ont voté sur leur retraite? Je regardais un tout petit peu les archives. Il y a beaucoup, de nombreuses fois. Je ne sais plus, j'ai au moins une dizaine. J'ai vu le chiffre de 40. Pardon ? J'ai vu le chiffre de 40, mais c'était peut-être un peu gonflé. Oui, non, c'est possible, je ne sais pas. J'ai cherché sur donc le registre, j'ai mis AVS, donc c'est l'assurance vieillesse. Il y avait déjà, je ne sais pas, presque une vingtaine, je ne sais plus, de trucs qui sont sortis. Et puis, des fois, il n'y a pas AVS dans le titre, mais donc c'est pour ça que j'ai mis aussi vieillesse. Et donc, je n'avais pas fait le calcul, mais c'est fréquent, disons. Ce n'est pas toutes les années, mais c'est fréquent. Donc, en France, on se prend des trucs dans les yeux, on se fait réprimer, et ensuite, ils votent. Voilà. Oui, donc c'est un système. Autre question surprise, Pierre-Alain. Il paraît qu'en Suisse, les citoyens suisses ne connaissent pas le nom de leur président. C'est vrai? Oui, c'est probable, parce que pour deux raisons. Premièrement, il change chaque année. Donc, voilà, une fois que vous l'avez appris, ça va déjà changer. Et puis le deuxième, c'est qu'il n'a pas vraiment de pouvoir particulier. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement fait de 7 conseillers fédéraux. Qui proviennent des principaux partis, donc il y a des partis de droite et des partis de gauche dans ce gouvernement. Et ensuite, chacun à leur tour, ils deviennent président. Et celui qui est président, il a essentiellement pas plus de pouvoir que les autres. Il est en charge d'un département. Simplement, l'année où il est président, c'est lui qui fait le président. Donc, par rapport aux relations extérieures, quand il y a le président américain qui va voir le président suisse, c'est le président suisse, c'est lui qui fera la rencontre. Mais il n'a pas plus de pouvoir en tant que président, donc il n'y a pas même tellement intérêt à connaître, à savoir qui est le président. Et en comparaison, que penses-tu de notre cher président, monsieur Emmanuel Macron? Bon, je ne veux pas me... Je ne veux pas me prononcer sur Macron, disons. C'est peut-être en tant que Suisse, ce n'est pas mon job de me présenter dessus. Ce que je remarque juste, c'est que, comme je disais au début, si on met une vidéo où il dit « Je suis conscient qu'il y a des gens qui ont voté pour moi, même s'ils n'étaient pas pour mon programme, et puis donc ce vote m'oblige. »
Puis on met en parallèle ce qu'il dit maintenant, ben, il ne fallait pas voter pour moi si vous ne vouliez pas une augmentation de l'âge de la retraite. Eh ben, il me semble qu'il y a quelque chose de pas très logique. Et bon, personnellement, je n'aime pas le système présidentiel. Donc, ce président, il est peut-être plus excessif que les autres, mais il y a quelque chose dans le régime présidentiel qui tend à concentrer le pouvoir dans les mains d'un individu et qui est malsain, disons. Faites gaffe, le régime présidentiel en droit, je crois que c'est ce qu'on donne, c'est le nom qu'on donne au régime américain. Le nôtre ne s'appelle pas comme ça. Pourtant, intuitivement, ça devrait, puisque ça, on dirait que c'est ça que ça veut dire, mais nous, c'est une monarchie. Hein. Une monarchie constitutionnelle, une monarchie élective, mais une monarchie absolue. Hein. C'est effrayant, les pouvoirs du président. Là, on voit. C'est-à-dire qu'on ne le voyait pas à l'époque de Gaulle, parce que De Gaulle avait de l'honneur. Quoi. Quand il a un référendum, il déclenche un référendum, on lui dit non. Les institutions ne l'obligent pas à s'en aller, il s'en va, parce qu'il a de l'honneur. Donc, c'est en fait le rempart contre ces institutions de merde que sont l'institution de 58. C'était De Gaulle, c'était le bonhomme qui avait de la vertu, qui n'était pas imposé par la Constitution. Puis quand on voit les présidents qu'on a eus après De Gaulle, qui sont de pire en pire, et qui deviennent une bande de gredins, des malfaiteurs en bande, qui se servent, qui pillent le pays, qui vendent à l'étranger. Macron, en personne, est contre les avis de Montebourg, le ministre de l'Industrie de l'époque, je crois que c'est de l'Industrie. Macron lui-même a vendu Alstom, qui est une entreprise stratégique, militaire, et stratégique pour le pays, l'a vendu à son principal concurrent qui était américain. Donc Macron est un agent de l'Empire, c'est un agent de l'étranger. Donc dans ces institutions, le problème c'est que ces institutions permettent ça, et là les Macron et les macronistes sont en train de s'apercevoir qu'ils font ce qu'ils veulent. Quoi. Ils sont en train de s'apercevoir qu'ils font ce qu'ils veulent, donc ils vont tout casser, ils vont tout piller, c'est une bande de malfaiteurs. Le problème, c'est qu'on utilise des euphémismes un peu lénifiants, là, qui endorment les gens. Des euphémismes, c'est les expressions qui adoucissent fallacieusement, trompeusement, qui adoucissent la réalité. Mais en fait, la Constitution de 58, c'est une constitution de gredins, de voyous. Et quand les voyous arrivent par l'élection, ben, y a rien pour les retenir. C'est affreux, quoi. Hein, c'est... Est-ce que tu pensais de Macron, moi je le dis. Juste une remarque. D'abord, s'il y avait le RIC en France, ça réduirait le pouvoir du président, notamment. Mais notamment, on voit par rapport à ce changement concernant les retraites. Donc, ça serait déjà bien. D'autant plus qu'un président, ça serait raison de plus d'avoir le RIC. Le deuxième point, c'est par rapport à l'honneur et puis à démissionner. Disons, dans le système suisse, le gouvernement ne démissionne pas quand il perd une votation. Disons. Mais comment, le gouvernement ? Le gouvernement ne démissionne pas quand il perd une votation. Mais... Parce qu'on considère que c'est au fond normal que de temps en temps, le souverain rappelle à l'ordre ses représentants. Et voilà, donc s'il perd, il a perdu. Et puis on entend qu'il respecte la décision populaire. Ça, il doit faire, mais par contre, non, en principe, il ne démissionne pas. Il n'y a pas de raison. Personne ne demande qu'il démissionne. Est-ce qu'il y a un organe de type Cour suprême, Conseil constitutionnel, qui impose, parce que imaginons que le gouvernement suisse tienne absolument à dégrader les retraites, comme tous les pays du monde le font, et comme tous les pays de l'Union européenne surtout le font, parce que l'Union européenne leur impose. En tout cas, c'est comme ça qu'ils présentent les choses pour pouvoir dire « c'est pas nous, c'est l'Europe ». Est-ce que si un président suisse contraint par les mêmes forces qui sont celles qu'on retrouve à Davos, hein, se mettait à dégrader quand même la retraite suisse et qu'un référendum annule la loi, est-ce que le président pourrait garder la loi ? Est-ce qu'il y a une institution qui arbitre Il n'y a pas à arbitrer, disons. Si le peuple a décidé on ne veut pas cette loi, il n'y a pas d'arbitrage à faire. Le souverain a décidé qu'il ne veut pas cette loi. Cette loi est invalide, n'existe plus. Mais
Mais la loi, elle est quand même appliquée par le gouvernement et sa police. Donc, s'il continue à l'appliquer... Non, elle n'est pas appliquée. S'il l'a refusée, elle n'est pas appliquée. Elle n'existe plus. Elle n'existe pas. Elle n'existait déjà pas avant, quand c'est une loi ordinaire, pas une loi d'urgence, mais une loi ordinaire. Elle n'est même pas entrée en vigueur avant le délai référendaire. Donc, elle entre en vigueur soit parce que, après, dans le délai référendaire, on voit que personne n'a demandé le référendum, ou le nombre requis de signatures n'a pas été réuni pour demander le référendum, ou bien il y a eu le délai référendaire et là, on attend le référendum. Et jusqu'au référendum, elle n'est pas en vigueur. Et puis, si le peuple dit non, ben, elle ne sera jamais rentrée en vigueur. Non, il n'y a pas arbitré. Là. Oui, ça te paraît tellement évident. Il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de conseil. Il n'y a pas de cour suprême comme aux États-Unis ou de conseil. Il y a un tribunal fédéral, mais il n'y a pas de conseil constitutionnel, par exemple. Ou pour être plus précis, il y a un conseil constitutionnel, son nom, ça s'appelle le peuple. Le peuple est le conseil constitutionnel. Et je crois que c'est vraiment important de ne pas avoir de conseil constitutionnel, parce que ça va être un levier pour s'opposer au peuple. Par exemple, là on parlait tout à l'heure de cette pétition pour le réconstituant qui a été discutée dans la commission des lois. Et puis un reproche qui était fait à la proposition concrète qui avait été soumise, c'est de dire ça n'est pas soumis, la proposition elle n'est pas soumise, elle est soumise à un tribunal mais pas au Conseil constitutionnel. Et si c'est une proposition pour modifier la Constitution, ça n'a pas de sens de la soumettre à un Conseil constitutionnel qui devrait faire quoi ? Voir si elle est conforme à la Constitution, mais il s'agit justement de modifier la Constitution. Donc ça n'a pas tellement de sens. Dans un monde idéal, on pourrait se dire, bon, ça pourrait être utile d'avoir un conseil constitutionnel qui vérifie que le gouvernement, quand il fait une loi, respecte la Constitution. On pourrait se dire, c'est utile de faire ça. Mais bon, c'est le peuple qui, finalement, joue ce rôle, parce que s'il n'aime pas la loi, il demande un référendum. C'est important, ça. J'entends, hein, c'est marrant, parce que c'est... Ça doit être une longue tradition démocratique qui te fait compter sur le peuple lui-même pour appliquer la Constitution et faire respecter ses droits en tant que souverain, de véritable souverain, celui qui décide. Ceci dit, ça m'étonne quand même que dans une Constitution, il n'y ait pas un organe chargé de la faire appliquer. Un organe, parce que, si tu veux, le danger avec la Constitution, c'est qu'elle, justement, elle soit pas respectée, qu'elle soit violée. Par qui ? Ben, par les représentants, par les hommes au pouvoir, qui veulent s'affranchir de la Constitution pour augmenter leur pouvoir. Enfin, c'est comme ça, qu'on voit dans tous les pays du monde, à toutes les époques, quoi, hein. Et je vois pourquoi ça n'arriverait pas en Suisse. Et précisément, la Constitution, si elle est bien faite, un peu comme un contrat prévoit non pas ce qu'il faudra faire si tout se passe bien, parce que si tout se passe bien, il n'y a pas besoin de contrat, le contrat sert à rien. C'est quand les choses commencent à aller mal que le contrat sert à quelque chose. Et bien, de la même façon, la Constitution, c'est un contrat social qui doit prévoir qu'est-ce qu'on fera si les choses se passent mal. Et si, par exemple, alors je ne sais pas si c'est le président de la Suisse qui dit qu'il n'a pas beaucoup de pouvoir, mais il y a quand même un gouvernement, il y a quand même des parlementaires, et si eux sont tellement choqués par la décision que vient de prendre le peuple et qu'ils se mettent à ne pas la respecter, ça m'étonne qu'il n'y ait pas d'organe supérieur au pouvoir et pour le faire appliquer. Tu es en train de me dire que les citoyens sont capables eux-mêmes de leur propre initiative de tordre le bras à leurs élus et à leur gouvernement pour appliquer la Constitution, mais comment ils vont faire ? C'est pas, ils dirigent la police. D'abord, je veux souligner le danger d'un conseil constitutionnel. C'est très intéressant, j'ai entendu ça. Hein. Le danger d'un conseil constitutionnel, il va être utilisé contre le peuple. J'ai noté, j'ai mis un point d'exclamation dans la marge de mes notes. Tu as eu raison de dire ça, c'est vrai. Mais il faut quand même un organe. Moi, je pensais à une chambre de citoyens tirée au sort, tu vois, plutôt qu'un conseil constitutionnel. Ouais. D'accord, alors tirée au sort. Mais disons, je veux juste rajouter un danger du conseil constitutionnel. C'est comme il interprète la Constitution. Et comme c'est dans la Constitution qu'est marqué le pouvoir qu'a le Conseil constitutionnel, il y a tous les risques que le Conseil constitutionnel
interprète la Constitution d'une façon qui lui donne à lui, le Conseil constitutionnel, plus de pouvoir que ce que les législateurs avaient pensé, disons. C'est intéressant, ça fait vraiment trois points, vraiment intéressant. Donc ça c'est un danger du Conseil constitutionnel. Mais donc, pour répondre à ta question plus directement. Alors bon, si nous établissons un Conseil constitutionnel tiré au sort. Composé de citoyens, voilà, citoyens à qui on donne le temps, l'argent, donc le budget nécessaire pour inviter les experts pour consulter. Et puis en fait, comme on leur donne le temps de réfléchir, on estime que, alors c'est beaucoup, hein, de citoyens tirés au sort, ça peut être 200 ou 300 personnes, hein, et on leur donne, on compte sur l'institution en lui donnant les moyens de réfléchir. Et comme c'est n'importe qui, c'est vraiment n'importe qui, vraiment tiré au sort sur les listes électorales, on compte sur le sort et sur les moyens qu'on a donnés à nos alter ego, que sont ces gens qui ont été tirés au sort, pour produire une opinion qui va ressembler à ce qu'aurait été la nôtre si nous avions travaillé comme eux. Je répondrai en deux points. Un premier point, c'est de dire un peu les limites d'un conseil constitutionnel tiré au sort. Et puis le deuxième point, ça va être de dire « ouais, mais on peut faire autrement ». Alors, le premier point, je dois dire, bon, ça serait à explorer, disons, ça serait intéressant, c'est clair, si c'est tiré au sort, surtout s'il y a 300 personnes, disons, un nombre assez grand pour que la loi des grands nombres fonctionne. Ça fasse une micro-société qui nous ressemble. Une micro-société, effectivement. Alors là, ça pourrait, certains dangers que j'ai exprimés seraient peut-être réduits ou peut-être éliminés, mais j'ai peur qu'ils ne soient pas éliminés. C'est-à-dire que, d'une façon générale, quand les représentants sont tirés au sort, je crains qu'ils s'autonomisent quand même et qu'ils commencent à avoir la grosse tête, disons. Mais bon, c'est vrai que ça serait, disons, une réflexion à explorer. L'autre point que je voulais dire, c'était, il y a une autre solution que d'avoir un conseil constitutionnel, disons, tiré au sort ou pas. C'est, ben, tu disais, qu'est-ce qui se passe si les élus ne veulent pas appliquer, par exemple, il y a une initiative, le peuple adopte une modification de la Constitution, la Constitution est immédiatement changée, donc elle est immédiatement adaptée à la volonté populaire, mais seulement, il faut une loi d'application. Voilà. Donc, si le Parlement dit, moi, je ne fais pas la loi d'application, moi, ça, il ne peut pas réellement, mais s'il dit, je fais une loi d'application bidon, que fait le peuple ? Alors, bon, une possibilité qu'ont les citoyens, et ça a été, à ma connaissance, il y a une fois où ça a été essayé, c'est de dire, je fais moi-même la loi d'application. Comment ? Le peuple dirait ? Donc, les citoyens, en principe, c'est ceux qui ont lancé l'initiative qui a fait la modification constitutionnelle. Si ensuite ils ne sont pas satisfaits de la loi que fait le Parlement en application de ça, ils peuvent se dire, moi, je vais proposer une loi, la loi d'application. Le problème en Suisse… C'est qu'on ne peut pas faire ça en Suisse. Non, c'est qu'on ne peut pas faire ça en Suisse. On peut pas proposer une loi, voilà, c'est ça que j'allais dire. Oui, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas appliquer une loi, disons, proposer une loi… On peut l'abroger, mais on ne peut pas en proposer une loi. Mais il faut rajouter deux choses. La première, c'est que si le peuple suisse le voulait, il pourrait se donner à lui-même l'autorisation de faire ça. Donc, oui, en modifiant la Constitution. En modifiant la Constitution, donc c'est un peu ce que disait Léo tout à l'heure. Quand il y a des trucs qui ne vont pas dans la Constitution, bah, la faute, c'est le peuple, hein, parce qu'il pourrait se donner ce droit s'il le voulait. Ce n'est pas comme en France où il y a tous ces problèmes pour avoir le RIC. Donc, il pourrait se le donner. Et puis, le deuxième point, c'est qu'il y en a… En fait, ça s'est passé une fois à ma connaissance. Ceux qui avaient fait cette… qui se trouvaient dans cette situation, ils ont dit, ben, je fais quand même la loi d'application. Mais ils ne peuvent pas. Mais ils ont le droit de changer la Constitution. Donc, ils ont dit, je mets dans la Constitution la loi d'application. Toi, si tu peux changer la Constitution… Mets la loi d'application dans la Constitution. Alors, c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait une initiative pour mettre la loi d'application. Alors, esthétiquement, ce n'est pas joli parce qu'une Constitution, elle n'est pas faite pour avoir des lois d'application à l'intérieur. Mais comme ça, ça permet de… À la guerre comme à la guerre, quoi. Donc, ils ont proposé ça, cette initiative. Les citoyens ont voté et ils ont refusé. Donc, ils ont refusé la loi d'application inscrite dans la Constitution. Et je pense que ce serait bien d'instaurer en Suisse la possibilité simplement
d'un RIC législatif. Faire les tours de proposer une loi. Un RIC législatif, oui. Un RIC législatif. Ouais. Il y a Anna qui demandait, et c'est une question que je voulais te poser, comment les Suisses ont-ils obtenu le RIC pour savoir si on peut, nous, en tirer quelque chose? Et je ne pense pas qu'on puisse en tirer quelque chose parce que ça ne pourra pas se passer chez nous de la même manière. Mais il me semble qu'il y a eu une époque où la Suisse était une démocratie directe, avec ce mot que j'ai tant de mal à dire, là, les Landes, qui sont des assemblées populaires où les Suisses votent leurs lois à main levée, canton par canton. Il me semble avoir compris, je crois que c'est de Siebenthal qui m'expliquait ça, l'ami Siebenthal, qui disait, il y a une époque où on était tous, on était en démocratie directe, et puis les parlementaires, nos représentants se sont petit à petit émancipés jusqu'à dire, maintenant, on veut voter les lois, on va voter les lois à votre place. Et alors les Suisses n'étaient pas d'accord et résistaient, et pour les faire céder, on leur a donné, en échange de cette régression de la démocratie directe au régime parlementaire, on leur a donné le RIC pour qu'ils acceptent, en disant bah, « vous allez rester souverain puisque vous pouvez modifier la Constitution, vous pouvez faire un veto sur une loi ». Et il n'y a plus que un ou deux cantons, je crois, qui votent leur loi à main levée. Est-ce que c'est… Donc la Suisse serait en train de perdre la démocratie directe alors qu'elle y aurait été, et le RIC serait… un pis-aller, tu vois, dans une phase plutôt descendante où les élus sont en train de s'émanciper d'eux. Est-ce que je me trompe là? C'est là où j'en suis en ce moment sur la Suisse, mais peut-être que je me trompe. Hein. Disons, la façon dont je dirais la chose, c'est que, bon, la première affirmation que la Suisse avait la démocratie directe partout en Suisse, oui. C'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que c'était vraiment canton par canton. Certains cantons, surtout en Suisse allemande, en fait, c'est pour ça qu'on parle de Landsgemeinde, notamment la Suisse primitive, les premiers cantons qui ont fait la Suisse, parce que la Suisse, c'était au début, c'était trois cantons, ça s'est peu à peu agrandi. Eux avaient la Landsgemeinde, ensuite ça s'est diffusé dans d'autres cantons, mais tous les cantons n'avaient pas la Landsgemeinde. Donc, c'est pas comme si la Suisse avait la démocratie directe en entier, il y avait certains cantons qui l'avaient et d'autres qui ne l'avaient pas. Il y en avait combien? Il y en a combien en tout? 24, non, des cantons? Il y en a bon, je crois qu'on est à 26 maintenant. À peu près, voilà. Ouais. Et il y en avait combien, tu dirais? Une dizaine? Bon, il faut voir dans l'histoire. Au début, il y avait trois cantons. Je crois qu'ils les avaient les trois. Les trois avaient la Landsgemeinde. Le cœur de la Suisse, si tu veux, le début de la Suisse, ils avaient la Landsgemeinde. Et ensuite, ça s'est agrandi et certains l'ont eu. L'ont repris aussi, et puis d'autres l'ont pas pris. D'accord. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, la Suisse était vraiment une confédération. Maintenant, on dit la confédération suisse, mais vraiment, c'est plutôt une fédération suisse. À l'époque, c'était une confédération, c'est-à-dire que c'était vraiment, les cantons étaient très, très, très indépendants, beaucoup plus que maintenant. Et le niveau central, c'était plus ou moins l'armée, une coordination de l'armée pour se défendre, quoi, ou pour des fois pour attaquer, parce que c'était à l'époque où la Suisse était un peu belliqueuse à l'époque. Et donc, il y avait un État central qui était très, très faible. Hein. C'était donc certains cantons avaient la démocratie directe, d'autres pas. Et puis, pour ce qui est de l'État central, c'était de toute façon pas grand-chose. Et puis, ce qui s'est passé, bon, ben voilà, la Suisse s'est agrandie, etc. Et puis, un jour, on est arrivé en 1800, ou à une année près, c'est ça, où les troupes du directoire, Napoléon, sont entrés en Suisse. Et puis, la première chose qu'ils ont fait, une des premières choses, c'est de dire que les Landsgemeinde sont interdites. Donc, si tu veux, la Suisse a perdu, à cause de cette invasion, a perdu le Landsgemeinde, même les cantons qui l'avaient. Et puis après, les revers de fortune font que Napoléon a fini par perdre, et puis il y avait la question de faire revenir ces Landsgemeinde, et surtout dans les campagnes, dans les cantons campagnards, c'est pas mal revenu. Puis dans les cantons villes, des fois il n'y avait pas, dans certains cantons il n'y avait jamais eu, et puis dans d'autres cantons, c'est pas revenu. Et puis
si je me souviens bien, ce qui s'est passé, et je crois que c'est à Saint-Gall, le canton de Saint-Gall, mais je ne suis pas sûr à 100%, les citoyens, ils voulaient réavoir, ils n'avaient plus la Landsgemeinde, mais ils voulaient de nouveau l'avoir. Et parce que certains, ils l'avaient perdu, mais c'était pas il y a 1000 ans. Disons, il y avait beaucoup de gens qui avaient connu la Landsgemeinde, qui avaient vécu la Landsgemeinde, ils voulaient la réavoir. Et c'est là que dans ce canton, on leur a dit, il y a eu le jeudi des bâtons, c'est-à-dire les gens sont sortis un beau jeudi avec des bâtons pour se battre dans la rue. Et puis bon, finalement, il y a eu un accord, c'est-à-dire que le gouvernement a dit, OK, la Landsgemeinde, on ne vous la donne pas, mais à la place, on vous donne le RIC veto. Ce n'était même pas le RIC pour changer la Constitution, c'était le RIC veto. Et donc ça, c'est un peu, c'est pas faux ce que tu disais dans ce sens-là, ils voulaient quelque chose de beaucoup plus grand, ils voulaient revenir à quelque chose de beaucoup plus démocratique, et puis on leur a donné un petit sugus qui est le RIC veto. Et finalement, ça a eu pas mal de succès, il y a d'autres cantons qui ont aussi eu le RIC veto. Et puis après, c'est allé, ce qui s'est passé, il faut savoir que à un moment donné, on arrive en 1848, une année avant, il y a une guerre civile, il y a une guerre de la centralisation entre Suisses. Quoi. Il y a des Suisses qui sont… Peux-tu expliquer ce que c'est le RIC veto ? Le RIC veto, c'est oui. Celui dont je parlais tout à l'heure. Hein. Quand le gouvernement ou le parlement propose une loi, le peuple peut… abroger. C'est un RIC. C'est un RIC, ouais. Tu signes, tu dis que tu veux tu veux un référendum. Si tu as le nombre qui de signatures dans les temps impartis, il y a le référendum. Si la loi est refusée, c'est terminé avec cette loi. Quoi. Et voilà, donc ça s'est ensuite diffusé dans plusieurs cantons. En 1848, tu étais en train de dire en 1848, un an. En 1848, je crois, c'est en 1947 où il y a cette guerre interne à la Suisse. Entre les cantons centralisateurs qui veulent un pouvoir central plus fort et puis les cantons qui ne veulent pas une centralisation plus forte. Et alors, il faut dire qu'on avait perdu contre Napoléon et puis on n'aurait peut-être pas perdu si on avait eu si on avait pu se coordonner une défense avec une armée nationale, etc. Donc, il y avait des arguments pour centraliser. Il y avait aussi des arguments contre la centralisation. Il y a une guerre. Et cette guerre, finalement, ceux qui sont pour la centralisation, c'est essentiellement les villes. Et ceux qui sont contre, c'est les montagnes, les campagnes. Et les campagnes perdent parce que l'industrie, les villes sont industrielles, elles sont beaucoup plus riches, beaucoup plus fortes, et elles l'emportent, cette guerre. Ils ont le bon sens de pas tuer plus que, de pas tuer à tout azimut. Il y a finalement assez peu de morts dans cette guerre. Et ils s'y prennent d'une façon que il y a finalement assez peu de morts. Donc j'avais commencé en disant guerre civile, c'est pas tout à fait une guerre civile parce que ça, une guerre civile, ça suppose qu'il y a déjà un pays constitué, tandis que c'était vraiment comme c'était très peu centralisé, c'est pas vraiment. C'est pour ça que je l'appelle la guerre de la centralisation. À partir de 1848, c'est la première constitution de la Suisse en tant que pays centralisé. Alors, ça fait rire, ça vous ferait peut-être rire en France quand on dit que la Suisse est centralisée, mais disons, elle est devenue beaucoup plus centralisée que ce qu'elle était avant. Donc, à partir de 1848, elle devient beaucoup plus centralisée. Et puis, il faut dire, au cours du temps, le pouvoir central s'est toujours renforcé. Elle est maintenant beaucoup plus centralisée qu'elle était en 1848, même si elle est beaucoup moins centralisée que la France actuelle, disons. Et voilà, donc ça, c'est la première constitution de 1848. Au niveau fédéral, je crois qu'il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Il y a la possibilité de demander une révision globale de la constitution. Il n'y a pas encore le RIC constituant. Il n'y a pas le RIC constituant et je crois qu'il n'y a même pas le RIC veto au niveau de la constitution fédérale. Ah oui. Ouais. Il vient plus tard. 1874, mais peut-être c'est 71, je sais pas. Quelque chose comme ça. Et là, ils voient que finalement, ce RIC veto, ça marche bien dans les cantons. Donc là, on a l'expérience dans les cantons. Ça marche bien.
Et c'est instauré au niveau de la Constitution fédérale. Mais là, il n'y a toujours pas le rite constituant. Donc, pour moi, à ce stade-là, la Suisse n'est pas vraiment encore une démocratie, disons. Elle a été, dans certains cantons, a été une démocratie plus tôt. Certains cantons sont démocratiques, mais la Suisse en tant que telle, à ce moment-là, n'est pas encore une démocratie parce qu'elle n'a pas le rite constituant qui est introduit en quelque chose comme 1890 et quelques. Quoi. Je sais plus la date, dans la constitution de 1890 et quelques. Et là, à partir de ce moment-là, il y a un... Donc, la story, là, l'histoire que tu racontais, elle est pas fausse, donc il y a bien eu une sorte d'échange, mais il faut quand même nuancer parce que c'est pas toute la Suisse qui avait ces Landsgemeinde. Et par contre, ce rite constituant, il s'est vraiment diffusé à toute la Suisse. Mais alors, Pierre-Alain, là, je vais me faire le porte-parole d'Anna qui demande comment est-ce que le rite est arrivé en Suisse. C'est le rite constituant le plus important. Est-ce que, par hasard, tu saurais, par quel miracle, en 1891 ou peut-être un peu plus tard, enfin 1890 quelque chose, 1890 quelque chose, comment se fait-il que le rite advienne ? Ce sont les élus qui l'ont écrit. Il y a eu une assemblée constituante avec une élection parmi des candidats qu'on peut aider, donc des professionnels de la politique, donc pour moi c'est toujours des candidats des riches, ou bien est-ce qu'il y a eu un autre processus constituant ? Est-ce que tu te souviens du processus constituant qui a permis aux Suisses de bénéficier du RIC, de voir le RIC institué ? Non, je ne me souviens pas. Et tu crois, si on ne l'a pas aujourd'hui, est-ce qu'on peut... Je note. Super, je peux le noter et en parler la prochaine fois. Oui, mais parce en deux ça... mots, ce que je pense que ça s'est passé en deux mots, c'est parce qu'il y a des constitutions au niveau cantonal. Chaque canton a sa constitution. C'est la République et canton de Genève qui a sa constitution genevoise. Il y a eu, lors de la dernière votation, je crois que c'était le 12 mars 2023, il y a eu deux votations de changement sur la constitution bernoise, par exemple. Donc, il y a les constitutions cantonales. Et ce que je pense, c'est que ça a été instauré au niveau cantonal, que ça jouait bien au niveau cantonal, et ensuite, ça allait au niveau fédéral. Donc, le chemin en Suisse, ça a été beaucoup du local. Commencer en local, et quand on voit que ça marche, on l'étend au fédéral. Au fédéral. Mais qui on l'étend ? Parce que, de mon point de vue, les élus détestent le RIC. Alors, peut-être que je me trompe, en Suisse, les élus ne détestent pas le RIC ? Je ne sais pas. Disons, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant ou jeune, je n'entendais jamais... C'est eux qui écrivent la Constitution ? Non, donc la Constitution, chaque fois qu'ils l'écrivent, il y a obligatoirement un référendum. Mais c'est eux qui l'écrivent. Non, non. S'ils proposent une modification de la Constitution, elle passe automatiquement au référendum. Oui. Et puis, les citoyens peuvent proposer une modification de la Constitution qui est soumise au référendum. Les élus peuvent proposer une modification aussi, mais elle sera validée par référendum. Ouais. Et là, tu n'as même pas besoin de récolter les signatures. C'est ce qu'on appelle le référendum obligatoire. Là, il est obligatoirement soumis. Ça, c'est maintenant. Mais avant qu'il y ait le rite constituant, donc avant 1891, ouais. qu'est-ce qui a pu conduire ? Là, c'est les élus, puisqu'il n'y avait pas encore de rite constituant, donc ça ne pouvait pas être le peuple. Qu'est-ce qui a pu conduire des élus à accepter d'instituer le RIC ? Ça me paraît contraire. Alors, à ce que je dis tout le temps, parce que je dis qu'ils sont en conflit d'intérêts, ils ont un intérêt personnel contraire au RIC constituant, ça va les déposséder du pouvoir qu'ils nous ont volé de changer la Constitution, et donc ils ne vont jamais le faire. Parce que, par nature, parce qu'ils sont des professionnels de la politique, ils ont un intérêt contraire. Mais là, peut-être que tu vas me contredire. À ton avis, qu'est-ce qui a permis à la Suisse d'obtenir le RIC constituant ? De la part des élus, c'est les élus qui l'ont donné. Ouais. Premièrement, il faut dire au Parlement, ce n'est pas des professionnels de la politique. Au gouvernement, évidemment, ça c'est un job à plein temps d'être au gouvernement. Mais au niveau du Parlement, c'est un Parlement, ce qu'on appelle un Parlement de milice.
les gens, ils ont leur job à côté et puis ils sont, la plupart, disons, ils commencent. Maintenant, il commence à y avoir certains qui font c'est ça. C'est ça l'explication. Ah, mais c'est ça l'explication, Pierre-Alain. Ah, mais c'est ça. Ils ont tous un boulot à côté. Donc, c'est les simples citoyens. C'est un peu. Ouais. Un peu. C'est pas, ils ne sont pas tirés au sort. Ils sont élus, mais ils ne sont pas professionnels. Non, ils ne sont pas professionnels. Ouais. Alors, maintenant, il y a des. Ils peuvent avoir plusieurs fois le même mandat. Oui. Le mandat peut être renouvelé s'ils sont bons. Mm-hmm. Et là, ça devient des professionnels, non ? Ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Écoute, ils ont, ben, si quelqu'un travaille à mi-temps et puis à mi-temps, il est à l'Assemblée, à l'Assemblée fédérale, et ben voilà, ben, s'il est réélu, mais souvent, ils ont leur métier à côté. Ce qui est assez important, ça veut dire s'ils ne sont pas réélus, ils ont leur métier à côté encore. Hein. Ils peuvent survivre. Je savais que ça allait être intéressant ce soir. C'est super important pour comprendre ça. Ça répond à la question de Dana. Parce que si tu veux, quand c'est des professionnels de la politique, c'est des gens qui dévouent leur vie à la politique, au métier de représentant, et qui donc se projettent sur l'éternité, en fait. Pour eux, c'est eux qui ont le pouvoir, qui vont avoir le pouvoir tout le temps, et donc ils ne veulent pas le rendre. Alors que si c'est, comment tu dis, un parlement de milice, alors pour nous c'est un peu dur à utiliser, parce que le mot milice, il a mauvaise presse, parce qu'il y a un sens du mot milice qui vient de la Deuxième Guerre mondiale, c'était les collaborateurs, c'était les Français qui collaboraient avec les Allemands et qui étaient une milice terriblement violente, arbitraire, épouvantable. Mais en même temps, chez vous, le mot milice ne veut pas du tout dire ça. Ça veut simplement dire que les citoyens s'occupent de leurs affaires, quoi. Ils font le taf politique. Oui, c'est comme quand on dit les pompiers de milice, il y a des pompiers qui sont aussi de simples citoyens dans les villages. Et alors, ce serait une explication pour Anna et pour moi. Hein. Oui, les élus suisses ont été capables de donner le rite constituant, ce qui est absolument pour moi énorme, quoi. Hein. C'est vraiment le cœur de la démocratie. Ils ont été capables de le faire parce qu'ils n'étaient pas des professionnels de la politique. C'était un parlement de milice. C'est intéressant, ça. Mais dans ce que je rajouterais, c'est deux points encore. Premièrement, c'est pas. Je crois que c'est en Californie. Il y a des cas en Californie. Je crois qu'ils ont. Ils ont le RIC en toute matière. Oui, ils ont. Bon, ça, je sais pas. Mais en tout cas, le RIC constituant. Ils ont élu un gouverneur à un moment donné qui leur a promis ça. Et donc, il y a d'autres cas où quelqu'un se fait élire. Là, il y avait à l'époque des tas de problèmes avec les grands financiers des chemins de fer. Et finalement, il y a eu une sorte de révolte par rapport à ça. Et puis, donc, ça, c'est pas le seul cas où les élus ont finalement accepté d'instaurer. Donc, c'est un chemin qui existe, le chemin d'avoir des élus honorables qui instaurent le RIC, y compris le RIC constituant. Le deuxième point, c'est que par rapport à la Suisse, il faut se remettre aussi à l'époque. Il y a eu une guerre, comme je l'ai dit, et dans cette guerre, je crois que c'était 7 cantons qui étaient donc dans la minorité qui a perdu. Et bon, il fallait quand même aussi les intégrer. Parmi les vainqueurs, il y avait des divisions à l'intérieur des vainqueurs, parce que les cantons centralisateurs, certains cantons étaient des cantons romands, disons, qui parlaient français. Et puis, il y avait des cantons qui étaient germanophones. Et les cantons qui parlaient français, ils n'avaient pas trop envie que ça se centralise trop, parce que ça aurait voulu dire que c'est la majorité germanophone qui aurait commandé. Donc, c'est possible qu'il y ait aussi eu des alliances entre les centralisateurs romands, donc francophones, et puis les perdants de la guerre de la centralisation, qui est conduit à ça. Mais ça, il faudrait que je regarde plus en détail. Donc, il peut y avoir aussi d'autres éléments. On reparlera de ça si tu as du nouveau sur le processus constituant. Si j'ai bien compris, il y en a eu plusieurs, à plusieurs périodes. Mais si on pouvait creuser ensemble, tu vois ce que je cherche à montrer et ce que je cherche à comprendre et ce que je cherche à imaginer, c'est les alternatives, tu vois.
c'est les processus constituants qui permettent à des peuples de finalement d'être émancipés par leur constitution. Quelle est l'histoire de ces constitutions? Si on pouvait faire une émission là-dessus, ce serait bien. Ça serait bien. Et dans l'histoire suisse, juste peut-être, si on fait une émission là-dessus, on en parlera plus là, ce jour-là, mais juste pour terminer le point, ça a quand même beaucoup joué par les cantons. Donc les cantons étaient encore, même après la centralisation, étaient quand même relativement indépendants, encore plus que maintenant. Et beaucoup de choses se sont faites au niveau des cantons. On voit que ça marche dans les cantons et après, ça monte au niveau fédéral. Mais ça, c'est quand même très lié à cette histoire suisse où les cantons étaient très indépendants les uns des autres. Et en France, ça me paraît plus difficile. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en France, du local au national, ça embrayerait pas si bien. Disons, la démocratie locale en France est importante, surtout pour des raisons pédagogiques. Il y a des possibilités en France, disons, de contourner un peu la législation française pour de facto instaurer un RIC communal, disons. Et malheureusement, en France, au niveau communal, il y a peu de pouvoir, donc ça risque d'être un peu la démocratie du pot de fleurs sur la fontaine. Et puis ça risque de pas embrayer à des niveaux supérieurs parce qu'il n'y a pas autant d'autonomie au niveau. Donc c'est pas forcément le même chemin en France qu'en Suisse, disons. Mais malgré tout, je suis pas en train non plus de dénigrer les efforts qui sont faits pour développer le RIC au niveau communal parce que c'est en tout cas un effet pédagogique qui est très important. Et oui, parce que même si je comprends ce que tu veux dire là. En fait, en Suisse, il y a une tradition démocratique qui vient de la base, qui vient du local, des cantons. Et c'est eux qui se considèrent, qui se pensent comme les souverains. C'est marrant quand François de Siventhal me parle et qui dit mais moi, je suis le souverain. Et c'est marrant, il le pense, ça. Et dans un peuple qui se sent souverain au niveau local et qui donc ne délègue des pouvoirs au niveau supérieur, fédéral, que s'il le veut et que sous son contrôle permanent avec révocation immédiate des représentants au niveau fédéral qui ne nous respectent pas. C'est vrai que dans un pays comme le nôtre, où tout est à l'envers en fait, et où tout vient d'en haut, depuis Paris même, depuis la Révolution française, il y a ce centralisme jacobin, mais avant même, là, le roi est centralisé quand même. Et dans ce pays très centralisé, tout vient d'en haut, on a été comme nous, nos parents et nos enfants sont comme dépolitisés, quoi. Comme on a désappris à faire de la politique, on n'a pas appris à se comporter en souverain. Mais. Ah, il y a Étienne qui a coupé. Peut-être qu'on peut conclure, Pierre-Alain, en attendant qu'Étienne revienne, on peut conclure sur le sujet justement de. Eh bien, de l'émission. Donc, pour rappel, l'actu suisse versus française, les retraites et manifs. Hein. Comment tu conclurais tout ça, Pierre-Alain? Bon, je conclurais en disant que ça me paraît vraiment très important d'utiliser, disons, ce que montre cette modification du système des retraites en France, d'utiliser ce que ça montre pour faire avancer le RIC et là, dans ce cas particulier, le RIC veto. Et justement, de voir ce qu'on discutait tout à l'heure, au début, de le fait que le président a été élu lui donne absolument pas légitimité. C'est pas parce qu'il a été élu par le peuple qu'il a légitimité à imposer au peuple quelque chose que le peuple ne veut pas. Et là, on a un exemple flagrant qui montre ça sur un sujet qui est très important pour les Français, et il faudrait que ce soit une occasion ça va pas être possible d'instaurer maintenant en France le RIC, même le RIC veto, sans même parler du RIC constituant, mais disons de faire avancer le RIC veto, de signer des pétitions qui ramènent
au moins plus que ces 350 000 du journal Marianne, et si possible, 1 million ou 4 millions, disons. Le plus il y a de signatures, le mieux c'est. S'il y a plus que 350 000, ben, ça serait déjà plus que ce qu'a fait Marianne. Si on arrive à 1 million et quelques, c'est plus que ce qu'il y a eu pour les aéroports de Paris. Si on arrive à 5 millions, quelque chose comme ça, c'est plus que ce qu'il faut pour le référendum d'initiative soi-disant partagé, enfin soi-disant le soi-disant référendum d'initiative soi-disant partagé. Si les Français arrivaient à ce qu'il y ait plus que de gens qui ont même voté pour Macron, c'est même là, ça serait toujours pas garanti de l'obtenir, mais ça ferait avancer le processus, ça démasquerait encore plus. Ça se démasquerait pour encore plus de gens. Je crois que maintenant, avec ces événements-là, beaucoup de gens devraient pouvoir voir que c'est pas parce qu'on a été élu qu'on a le droit d'imposer sur un sujet. Même des gens qui seraient pour Macron, même des gens qui sont pour le changement de système de retraite de Macron, s'ils sont démocrates, ils devraient dire là, ça doit passer par une votation populaire. Donc, je crois que c'est important d'utiliser cette occasion pour... concrètement, pour avoir des pétitions qui fassent avancer le référendum veto. Et toi, Étienne, si tu devais conclure. Je pense que la souveraineté, ça s'institue. Et que le moment où ça s'institue... s'appelle le processus constituant, que pour l'instant tout le monde s'en fout, même les souverainistes. Dans le pays, il y a plein de gens qui se disent souverainistes, donc qui sont attentifs, soucieux de la souveraineté populaire ou nationale, mais ils sont soucieux de la souveraineté, mais tous ces gens, tous ces intellectuels, tous ces penseurs, j'hésite avant de le dire tellement ça me paraît encore extravagant, mais je crois qu'on en est vraiment là. Tous ces penseurs se foutent du processus constituant. Ou, quand ils acceptent d'imaginer un processus constituant, ils acceptent l'idée d'une assemblée constituante élue. Élue parmi des candidats qu'on peut aider, c'est-à-dire la même merdasse qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des politiciens de métier. Et donc, toute leur pensée souverainiste, qui pourtant est vachement intéressante sur les modalités qui leur semblent convenables de la souveraineté, l'exercice de souveraineté, étendue de la souveraineté, mais tout ça est comme anéanti. Enfin, ça vaut rien tant qu'on se bat pas pour un vrai processus constituant. J'ai l'impression d'être le seul en France à défendre l'idée d'un processus constituant populaire et permanent. Et avec, je suis pas seul, heureusement, il y a plein de militants qui font aussi. Mais parmi les intellectuels qui parlent, qui réfléchissent au système politique dans lequel on vit, c'est incroyable, tous les souverainistes, ils parlent pas de ça du tout, ils s'en foutent du processus constituant. Donc ce serait bien, Pirala, si tu veux bien, c'est une conclusion, mais qui ouvre sur la suite, si on pouvait, lors d'une prochaine émission, ensemble, examiner un peu en détail le ou les processus constituants qui ont permis à la Suisse d'avoir les différents RIC qu'elle a, et notamment le RIC constituant, ce serait vraiment très intéressant. Quand j'étais coupé tout à l'heure, je disais que j'étais pas, je cherche pas, comme tu semblais le souligner ou le deviner, je cherche pas à obtenir le même résultat qu'en Suisse, mais dans un pays qui serait centralisateur, et donc l'obtenir par en haut, pas du tout. Je suis comme toi, je pense que ce qui s'est passé en Suisse ne peut se passer que comme ça, et ça vient d'en bas, et il faut un peuple souverain, enfin qui se pense comme souverain, pour arriver à avoir des institutions où le peuple est souverain. Et donc, je suis beaucoup plus sur la ligne, j'attends rien des élus, j'attends rien des médias, j'attends rien des puissants du moment, des tyrans, j'attends rien d'eux. Et par contre, il me semble qu'on a tout à attendre des citoyens eux-mêmes,
Et tu as raison de dire qu'on a tellement été habitué au centralisme jacobin qu'on a été comme désaccoutumé à se penser en souverain. On pense en électeur, c'est-à-dire en enfant politique. On pense en incapable politique et donc on ne pense pas en souverain. Et donc, à mon avis, dans l'ordre, il faut d'abord qu'on fasse l'éducation populaire. L'éducation populaire, ça veut dire qu'il n'y a pas un prof et des élèves, c'est-à-dire qu'on est tous un coup prof, un coup élève, mais pour se passer le mot entre nous, il ne faut pas élire l'Assemblée constituante. Il ne faut pas élire l'Assemblée constituante. Il faut qu'on écrive nous-mêmes la Constitution, quartier par quartier, village par village, commune par commune. Il faut qu'on écrive nous-mêmes la Constitution et il faut qu'on s'entraîne avec des ateliers constituants ou des apéros constituants ou des bamboulas constituantes, vous appelez comme vous voulez, hein, vous pouvez faire des conversations constituantes, un truc plus léger que des ateliers. En tout cas, moi, je suis très content. Je trouve que le niveau de discussion avec Pierre-Alain, à chaque fois, c'est remarquable, c'est vachement bien, on apprend plein de trucs. Moi, j'ai encore appris 10 trucs importants hein, ce soir hein, sur la Suisse. Vachement bien. Hein. Donc, j'ai hâte qu'on recommence. Ce sera peut-être pas... Comment ? On peut passer peut-être aux questions du public. Oui. Ouais. Enfin, sinon, d'ailleurs, prochain atelier constituant, mardi prochain, 20h30. Ah oui, sur Discord. Sur Discord d'Étienne Choix. Voilà. Et enfin, des gens. On pourrait mettre le lien dans les commentaires. Le serveur Discord est accessible depuis Discord. Le site choix.org. Oui. Oui, mais si on le met dans les commentaires, ce serait bien. Comme ça, et les gens. Une minute max par question. Ok. La première question, c'est est-ce que vous êtes disponible demain soir pour une vidéo réaction à la commission des lois contre le RIC constituant qui a eu lieu Oui. Est-ce que toi, Pierre, tu es dispo? Demain soir oui. Soir. À quelle heure? 20h30, 21h. Ouais. Je sais pas. Ouais. Des débuts à 20h30 de... Mm-hmm. Réaction à la commission des voleurs de pouvoir. Voilà, je mets juste l'introduction du rapporteur de la commission des lois pour donner l'eau à la bouche. Soutenez-vous la proposition de loi constitutionnelle instaurant le référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour nous présenter votre avis. Merci, monsieur le président. Donc la pétition 1109 qui date du 11 novembre dernier et a recueilli près de 16 000 signatures propose quant à elle la création d'un référendum d'initiative citoyenne, RIC, en matière de révision constitutionnelle. Cela conduirait à modifier l'article 89 de la Constitution relatif à la procédure de révision. La proposition de révision constitutionnelle d'initiative citoyenne serait d'abord soumise à un contrôle de recevabilité assuré par un tribunal judiciaire. Si elle était recevable et soutenue par 700 000 citoyens, elle devrait alors être obligatoirement soumise à référendum. La pétition demande également la suppression de l'alinéa 3 de l'article 89 de la Constitution afin que les révisions constitutionnelles initiées par le président de la République ne puissent plus être approuvées par le Parlement réuni en congrès, mais seulement par voie du référendum. Ça doit lui faire mal de le dire. Actuellement, en application de l'article 89 de la Constitution, l'initiative d'une révision constitutionnelle appartient au président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. Voleur de pouvoir. Après un vote du projet de révision par les deux chambres en termes identiques, le président peut décider de le soumettre soit au référendum, soit au Parlement réuni en congrès. C'est justement ça qu'on veut Dans changer. Ce dernier cas, le projet est approuvé s'il réunit les 3/5 des suffrages exprimés. Et c'est un scandale. Je vous rappelle que la Constitution de la Ve République a été révisée 24 fois. Oui, par Sur eux-mêmes. Sur ces 24 révisions constitutionnelles, deux ont été approuvées par voie du référendum. Ouais. D'abord en 1962, l'élection du président de la République au suffrage universel. L'article 11 de la Constitution avait alors été utilisé pour organiser directement un référendum sans en saisir d'abord les assemblées, ce qui avait été contesté notamment par de nombreux juristes, car l'article 11 n'est pas celui qui concerne la révision. Puis en 2000, c'est aussi par référendum qu'a été décidée la réduction de 7 à 5 ans de la durée du mandat présidentiel, mais cette fois selon la procédure qui est bien celle prévue par l'article 89, c'est-à-dire pour rappel, l'adoption du texte, c'est-à-dire après l'adoption du texte de la révision par les deux assemblées.
La révision de l'article 89 proposée est présentée comme destinée à revigorer la prise de décision en associant davantage les citoyens, mais elle pose plusieurs difficultés très sérieuses. Très sérieuses, alors tu vas voir. Tout d'abord, le référendum d'initiative citoyenne est ici conçu comme un outil de contestation de la représentation nationale, jugée par principe défaillante pour représenter le peuple. Oui, absolument. Alors même que les membres de l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct, cette approche se situe donc d'emblée dans une logique qui revient en réalité à contester le résultat des élections démocratiques. Oui, bah, l'élection démocratique, c'est un oxymore. Mais en Suisse, il y a un Parlement hein, aussi, quand même. Oui, en Suisse, il y a un Parlement et un RIC, et pourtant, il y a quand même le Parlement. Mais surtout, nous prétendons nous les représenter, nous, le souverain déclaré souverain dans la Constitution, et ensuite bafoué dans tous les autres articles, nous prétendons contester la façon dont nos représentants nous représentent, parce qu'ils nous trahissent tous les jours, plusieurs fois par jour. Oui, monsieur, nous contestons votre façon de nous représenter. Oui, d'emblée. Mais je crois qu'il y a aussi une autre interprétation, disons, de dire ce n'est pas forcément de l'anti-parlementarisme ou comme ça. On a simplement une élite des représentants, pour faire, parce qu'on n'a pas le temps toute la journée de faire des lois, on élit des représentants, mais ils n'ont pas le droit de confisquer le pouvoir. Disons, moi, je suis bien content, je n'ai pas envie de faire toutes les lois, je suis bien content qu'il y ait des représentants qui les font, mais je veux, c'est important quand le peuple n'est pas d'accord, qu'il puisse dire non. Donc, c'est simplement le souverain, c'est le peuple, les parlementaires sont les représentants du peuple, ils font leur travail, et puis avec le RIC, ils continuent de faire leur travail, mais simplement sous le contrôle des citoyens, et si les citoyens ne sont pas d'accord, eh bien, ils interviennent, disons. Mais après, on pourra en traiter... On pourra en traiter demain soir, si vous êtes disponible. Donc, le début du live à 20h30, si j'ai bien compris. Oui, voilà, on développera. Mais en bref, en fait, la plupart des élus de la commission des lois, leur argument principal, c'est oui, mais non, on ne veut pas être mis en concurrence avec les citoyens pour la votation des lois. Quoi, hein. C'est à nous, notre précieux. C'est pas seulement des voleurs de pouvoir, c'est des accapareurs, c'est vraiment des usurpateurs terribles, quoi. Il y a un très bon article de Robespierre que je lirai demain. Il y a une très bonne citation de Robespierre qui dit « La source de tous nos maux est le fait que les représentants se sont affranchis de leur devoir envers les représentés et se comportent maintenant comme des maîtres. » Très très bonne citation que je mettrai en exergue demain. Vraiment, je leur en veux. Hein. Moi, pour moi, ma bagarre depuis 20 ans, c'est contre les politiciens. Quoi. Je supporte plus du tout ces voleurs de pouvoir. C'est vraiment des ennemis du peuple, des gens qui nous détestent et qui nous cornaquent comme on cornaque un éléphant. J'en ai marre. Donc demain, vous entendrez un peu deux sons de cloche, le son de cloche d'Étienne. Et puis moi, alors, ce sera plus monsieur calme. Ils n'ont plus, non, ils font leur job simplement. À la fin, le patron, c'est nous. Donc, si on veut intervenir en cours de route, on intervient. Mais sinon, à la limite, si on n'a jamais besoin d'intervenir, c'est idéal. Quoi. Oui, parce que Étienne est plutôt anti-élu. Et Pierre-Alain dit les élus, OK, mais si on a le dernier mot. je ne suis pas anti-élu. Je suis anti-élu ayant écrit eux-mêmes les règles de l'élection. Si nous écrivions nous-mêmes les règles de l'élection, on en aurait beaucoup moins à craindre et je ne serais pas du tout anti. Je ne suis pas anti-élu en général. Je suis contre l'usurpation parlementaire où les élus se sont mis à écrire eux-mêmes la Constitution. Ça, c'est criminel. Ce sont des criminels d'avoir fait ça. Ce n'est pas contre les élus. J'imagine très bien des élus qui seraient des bons représentants. Hein. Simplement, il faut que ce ne soit pas eux qui aient écrit les règles de leur représentation, leur propre pouvoir. On peut terminer peut-être ces lives avec les questions du public, si ça vous va. Mm-hmm. Ok. Alors, cette personne a beaucoup insisté sur cette question. Je crois que c'est très important pour lui, Pierre-Alain. Peux-tu nous dire de quelle économie que tu es, Pierre-Alain ? Et qu'est-ce que tu penses de l'école autrichienne ? Bon, je ne suis pas spécialement d'une école. L'école autrichienne, c'est intéressant. Mais il y a d'autres écoles qui sont intéressantes, disons. Là, je ne vais pas me prononcer pour
pour une école économique. Quelle est la définition de l'école économique autrichienne? Bon, les Autrichiens sont très... ben, ils ne vont pas plaire à Étienne. Hein. C'est très... économie de marché, etc. C'est les ultralibéraux, les néolibéraux, quoi. C'est... Ouais. Qui a oublié de liker? Question de Annie. qu'en est-il de la séparation des pouvoirs en Suisse? Rapidement. Bon, il y a le gouvernement qui est élu par le Parlement. Et puis, il y a bon, le judiciaire qui est séparé. Le gouvernement est élu par le Parlement, comme dans toutes les républiques parlementaires, sauf la France et les États-Unis. Mais c'est ça, le gouvernement est nommé par le Parlement, il est responsable devant lui? Oui, c'est ça. Donc, il y a eu des initiatives pour que le gouvernement soit élu par le peuple. Mais le peuple a refusé. C'est des initiatives jusqu'à maintenant. Normalement, la séparation des pouvoirs, c'est un système dans lequel non seulement les pouvoirs sont séparés, mais ils sont séparés pour les affaiblir, pour nous protéger, nous, contre eux. La raison d'être de la séparation des pouvoirs, c'est de les affaiblir pour éviter la tyrannie. L'interprétation parlementaire, l'interprétation par les représentants, est évidemment une escroquerie. Ces gens-là prétendent que la séparation des pouvoirs interdit à chaque pouvoir d'aller mettre son nez dans les affaires des autres. Et pour eux, la séparation des pouvoirs, ça veut dire que la justice ne doit pas s'occuper des parlementaires. C'est exactement le contraire. Une vraie séparation des pouvoirs bien pensée, ça va consister à jeter les pouvoirs les uns contre les autres. Alors, j'exagère quand je dis ça, c'est parce que c'est le balancier, je l'envoie trop loin, à force de voir qu'il n'y a rigoureusement aucune séparation des pouvoirs dans notre pays. J'ai envie d'une vraie séparation des pouvoirs avec un pouvoir judiciaire qui peut traquer, enquêter réellement sur le président, les parlementaires, sur tous les autres pouvoirs, sur les médias, sur les... Les uns doivent pouvoir nuire aux autres, c'est pas seulement une séparation au sens chacun pourrait faire ce qu'il veut de son côté. Non, il faut qu'ils se surveillent, il faut trianguler les contrôles, il faut que les... Ah, en parlant de triangle, il y a une question un peu fun. Est-ce qu'il y a ça en Suisse? Est-ce que le Parlement peut virer le gouvernement? Est-ce que les juges peuvent condamner des parlementaires ou des ministres? Je sais pas. Disons le gouvernement, non, il est élu. Ensuite, il est réélu tous les 4 ans. En principe, ils font leurs 4 ans. Ensuite, mais c'est très rare que le Parlement ne réélise pas, parce que ça, il faut bien voir que c'est un gouvernement d'union nationale. Il y a des partis de gauche et de droite à l'intérieur. Un point que je voudrais souligner dans ce que tu as dit, c'est la séparation des pouvoirs, c'est pour protéger le peuple contre ses pouvoirs. Oui. Et ce que j'ai entendu parfois, c'est vraiment quelque chose d'antidémocratique qui est de dire la séparation des pouvoirs est utilisée pour dire qu'il ne faut pas trop donner de pouvoir au peuple, parce qu'il faut séparer le pouvoir du peuple de celui de ses représentants. Donc, ça devient très important de dire la séparation de pouvoir, c'est pour diviser les représentants, mais pas pour limiter le pouvoir du peuple. Disons. Mais bien sûr, c'est Montesquieu qui a théorisé ça, c'est les Anglais. Hein, il a décrit là le système de l'escroquerie parlementaire anglaise, qui est une escroquerie, hein, mais qui est déjà un peu... Enfin, où la tyrannie est un peu limitée quand même, mais où en fait, the check and balance, on équilibre les pouvoirs pour éviter la tyrannie. Parce que ce que disait Montesquieu, c'est que si quelqu'un a tout le pouvoir entre ses mains, il va en abuser. Et donc, pour que le pouvoir n'abuse pas, il faut que par la disposition des choses, dit Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, en fait, ça veut dire dans une bonne constitution, il faut que les pouvoirs puissent se nuire mutuellement, pas seulement agir chacun de leur côté. C'est déjà une chose que le Parlement ne puisse pas exécuter les lois qu'il vote, que le gouvernement ne puisse pas écrire les lois qu'il applique, okay, que les juges ne puissent pas écrire les lois qu'ils interprètent dans nos litiges, mais c'est pas tout. Il faut qu'ils puissent se nuire les uns les autres pour s'affaiblir. En fait, moi je le dis à ma manière, pour que le peuple ait rien à craindre de ses pouvoirs, qu'il ait tout à en attendre et rien à en craindre, il faut que tout pouvoir ait peur.
et je mets un silence exprès. Enfin, à mon avis, c'est une révolution anthropologique. Les humains vont mieux vivre quand ils vont apprendre eux-mêmes et apprendre à leurs enfants, enseigner à leurs enfants que c'est notre boulot d'être humain, non politicien, d'être capable de penser l'institution de pouvoir dont nous avons besoin et en même temps des contrôles de ces pouvoirs pour qu'ils aient peur. Il faut que les pouvoirs aient peur de quelque chose. Un pouvoir qui a, comme Macron qui a peur de rien, c'est effrayant. J'ai perdu, je ne sais pas pourquoi. On peut peut-être finir sur cette question de Philippe. Que pensez-vous d'Éric proposé dans les différents programmes des partis politiques en France ? Qui veut commencer ? Il faut lire sur le site Espoiric, il y a une analyse de tous les RIC proposés par tous les partis. Et c'est passionnant, c'est super bien fait. C'est pas le site d'Espoiric, c'est le site Labelric. En fait, il y a un groupe qui analyse ligne par ligne, mot par mot, tous les RIC proposés dans les programmes. Il s'appelle comment le site ? On se rend compte que c'est un peu nul, en fait. Il s'appelle comment le site ? C'est Labelric. Labelric, voilà. Alain, je crois que tu l'as regardé un peu, un peu les analyses. Tu peux en dire deux mots ? Disons, le point, ce que j'ai surtout en tête, c'est que le Rassemblement national est contre le RIC constituant. Ils sont pour le RIC veto, mais contre le RIC constituant, je ne comprends pas exactement la logique, parce que si le peuple est compétent pour faire un RIC veto, pourquoi il n'est pas, s'il est légitime, pourquoi il n'est pas légitime pour faire le RIC constituant, mais pour changer la constitution. Mais voilà, donc ça, c'est une lacune assez forte pour le Rassemblement national. Pour la France insoumise, c'est souvent imprécis et c'est pas clair et on a un petit peu l'impression qu'ils cherchent à noyer le poisson. Yvan Bachot avait fait un commentaire là-dessus en étant un peu plus, disons, offensif que moi sur le sujet. Donc j'ai l'impression que la France insoumise, j'ai l'impression qu'en son sein, il y a des gens qui sont vraiment pour le RIC, mais j'ai l'impression aussi qu'il y en a qui sont contre et qui ont peur du peuple. Et puis les autres, j'ai l'impression qu'ils sont contre, grosso modo. Pour ce qui est des partis. Bon, il y a Asselineau, peut-être pas oublier ça, lui qui est, je crois, pour le RIC constituant, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, dans le chat, il y avait un fervent défenseur de Asselineau qui proposait un plan stratégique pour l'instauration du RIC. C'est d'abord, on vote Asselineau, ensuite, on vote le Frexit, et ensuite, le RIC. Alors non, parce qu'on ne pourra pas voter le Frexit puisqu'on n'a pas le RIC. Donc j'imagine que Asselineau va faire le Frexit et après, il instaurera le RIC ou quelque chose dans cet ordre. Mais après, il y avait un autre commentaire intéressant. Le RIC permet d'obtenir le Frexit. Le Frexit ne permet pas d'obtenir le RIC. Donc le RIC est supérieur au Frexit. D'accord. Et Asselineau ne parlerait jamais du RIC et Alain des RIC les plus merdiques de tout le paysage politique, noté 40 sur 300 par l'appel RIC. Mais c'est vrai qu'il a au moins le mérite de défendre les RIC constituants là où d'autres partis disent non, comme Rassemblement national. Et les filles qui laissent planer le doute, on ne sait pas s'ils veulent une assemblée constituante élue ou vraiment un véritable RIC constituant. En tout cas, oui, Yvan Bachot disait dans le chat tout à l'heure que et les filles, malgré que le RIC peut-être constituant soit l'un des premiers points de leur programme, là, dernièrement, quand ils ont fait leur groupe à l'Assemblée nationale, ils ont essayé de faire passer 12 lois, sauf le RIC constituant. Donc, c'est un peu compliqué, les partis politiques. Hein. Oh non, c'est simple. Ils vont détester. Ils vont détester le RIC, parce que le RIC va reprendre le pouvoir, va leur reprendre le pouvoir pour en rendre une bonne part à la population. Et comme ce sont des démophobes qui défendent leurs intérêts avant de défendre l'intérêt général, ils vont dire qu'ils le veulent, et puis ils ne vont jamais le faire. Parce qu'en fait, en leur fort intérieur, ils détestent le peuple et la souveraineté du peuple qui est incarnée dans la procédure démocratique par excellence qu'est le RIC. Mais j'ajouterais deux choses. S'il y a des gens parmi vous, ceux qui nous écoutent, qui sont dans un mouvement, qui sont à la
France Insoumise, au Rassemblement National ou n'importe où, je les encouragerais à faire pression sur leur mouvement, et s'ils sont déjà à l'intérieur, à faire pression pour qu'ils s'engagent de façon crédible pour un véritable RIC constituant. Donc ça, c'est quelque chose qui serait utile. Et puis s'ils ont des arguments contre, s'ils arrivent à l'obtenir de leur parti, tant mieux. S'ils n'arrivent pas à l'obtenir, au moins voir quels sont les arguments contre. Souvent, ils sont très fallacieux. Donc, au moins de faire la discussion à l'intérieur du parti, ça, c'est déjà un point important. Et le deuxième point, c'est si vraiment il n'y a pas ou quasiment pas de partis qui sont pour, il faudrait voir comment les démocrates veulent s'organiser pour la prochaine présidentielle. Elle est en 2027. Ça paraît loin, mais c'est pas si loin que ça. Et si le constat, c'est vraiment que finalement, même dans l'opposition, il n'y en a pas beaucoup qui sont pour le RIC constituant, eh bien, il faudrait que les démocrates de tous bords voient comment faire pour essayer d'élire quelqu'un qui a son RIC constituant. Alors, comme disait Étienne, que le type qui va être président, il n'a pas trop envie d'avoir le RIC constituant parce que ça lui réduit son propre pouvoir. Ben, donc, ça va être difficile, mais disons, il se pourrait qu'il y ait deux candidats qui soient proches l'un de l'autre et puis que l'un se dise, je ne suis pas très loin de l'autre et si je m'engage de façon crédible à instaurer un véritable RIC constituant, ça ferait la différence qui me permettrait de gagner. Et peut-être que même s'il ne veut pas le RIC constituant, il s'engagerait quand même de façon crédible pour un véritable reconstituant, juste pour gagner l'élection. Parce que c'est mieux quand même de la gagner, même avec un reconstituant, que de la perdre. Donc, mais pour ça, il faut qu'il y ait un noyau de Français suffisamment grand pour qui le reconstituant est le critère principal qui va déterminer pour qui il vote. Donc, c'est quelque chose à préparer bien à l'avance. Je trouve que c'était un super mot de fin, Pierre-Alain. Est-ce que toi aussi, Étienne, tu souhaites conclure par une perspective de solution autre que faire pression sur son parti politique Pour moi, j'attends rien des partis politiques. Et l'idée que les démocrates se réuniraient en un parti nouveau qui serait vertueux parce que ses membres sont démocrates, je pense que c'est une illusion. Je me trompe peut-être, s'il y en a qui veulent le faire, qu'ils le fassent, évidemment. Mais j'ai lu le bouquin de Robert Michel sur les partis politiques, Roberto Michel, qui décrit la loi des reins de l'oligarchie, ou même dans nos instituts, même dans toutes nos organisations, même quand on a prévu le tirage au sort pour se protéger de la loi oligarchique, en fait, il explique par quel mécanisme psychologique et par quel mécanisme réel. C'est très convaincant, c'est terrible. Nos institutions, dans nos organisations, nous allons être obligés, nous allons être comme poussés à supporter les pires qui arrivent au pouvoir et qui deviennent des voleurs de pouvoir. Ceci dit, si dans un peuple devenu constituant, c'est-à-dire souverain au sens des Suisses dans leur canton qui sont jaloux de leur souveraineté et qui n'imaginent pas de se faire représenter au sens où la représentation ce serait des maîtres qui ne veulent des représentants que serviteurs. Dans un peuple devenu constituant, je pense qu'il n'y aura plus de place pour un tyran et nous allons avoir tout ça. Mais il faut que la mutation ait lieu à la base. Je pense qu'il faut que nous nous transformions à la base, en attendant rien de nos représentants. C'est pas l'émancipation ne va pas venir de ces gens-là. Même si c'est des gens bien. Je pense à un François Ruffin, qui me paraît être vraiment quelqu'un de bien. Bon, moi, je respecte beaucoup ce type-là. Mais même lui, je pense que s'il est élu, il ne sera pas capable d'écrire le RIC constituant. Il ne sera pas capable, parce que c'est au-delà de leur force. Ça va tellement contre leurs intérêts dans leur travail quotidien que non, ils ne le veulent pas. Donc, c'est à nous de l'écrire. Il n'y a que nous qui pouvons faire ça. Donc, je ne vois pas d'autres perspectives d'émancipation que, alors, pour ne pas dire atelier constituant, on peut dire activité constituante. C'est-à-dire qu'il faut,
quand les humains vont commencer à inviter la Constitution dans leur conversation de tous les jours, et massivement, tous les humains, quoi, là, ça va se passer. Et donc, il faut qu'on fasse... Vraiment, l'émission de ce soir, elle est bien, je crois. Elle était... Enfin, il me semble, il faudrait que je la revoie, mais... En tout cas, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi, Étienne. Merci beaucoup, Pierre-Alain. C'était vraiment très intéressant de parler. Et merci aux 160 personnes, presque tout du long du live, qui nous ont suivis, qui ont posé des questions, qui ont débattu parfois passionnément dans le chat. C'était très intéressant. Je sais que Étienne, à chaque début de live, me pose la question, alors est-ce qu'on peut accéder aux commentaires du chat, est-ce que je peux faire des enregistrés, est-ce que je peux les imprimer? Il veut imprimer vos commentaires. Pour les lire, comment lire un livre. La diffusion pour revoir vos commentaires. Vraiment, merci à tous ceux qui étaient avec nous ce soir. Merci Pierre-Alain, c'était vraiment chouette d'avoir le point de vue suisse sur l'actu française, le fonctionnement de ce qui se passe en France et de ce qui se passe en Suisse. Merci Étienne. Merci Mira pour tout ce que tu fais, c'est épatant. Vraiment, on ne pourrait pas, on a besoin de toi. Merci pour tout ce que c'est tu gentil, fais. C'est gentil, merci. Et... Léo qui fait bientôt. Les constituants tous les mardis, aidez-le, allez-y, vous allez voir, c'est passionnant. Le mardi soir, sur Discord, vous verrez, les ateliers constituants, c'est super. Avec Léo, c'est passionnant. Dès qu'il ouvre le bec, ce gars-là, c'est passionnant. Merci à vous deux. Et donc, on se revoit demain, ceux qui veulent, demain soir. Pour cette fois-ci voir réagir à eux. À la commission des lois, vous voyez, ils sont tous. Commission des valeurs de pouvoir. Ils sont assez nombreux à avoir réagi à la pétition pour les constituants. Ils ont tous donné leur avis. Il faut qu'on commente ça va être intéressant. Et bonne soirée, bonne nuit, bon appétit à tous. Salut à tous. Bonne soirée, merci Birel, bonsoir à tous.